Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour un peu de Forge Magie. Alors, j'aimerais bien avoir un Nanotic Overécrit PM. C'est assez compliqué à faire. Bon, il y a un PPO, mais bon, enfin, il faut avoir le PO qui tombe, pouvoir remonter le G. Overécrit, il faut que le PO repasse et ensuite passer un PM. Donc, c'est un peu fastidieux à faire. Mais ça peut être vraiment sympa quand même que j'en passe un. Et ça me servira dans pas mal de mes modes pour PVP. Donc, on commence avec ce G sur l'anneau. C'est un que j'avais réalisé il y a un petit moment. Sauf que là, on a un Overécrit qui est assez conséquent et qui fait que je peux pas passer de PM. Parce qu'il y a trop d'over, donc je vais mettre une invocation sur la première tentative et puis après on partira sur du PM. Allez, c'est parti. Tentative assez particulière ici, parce que j'ai choisi finalement de faire un anneau sans les pourcents critiques, autrement le FM est vraiment très compliqué, j'ai pas envie d'y passer trop de temps. Donc on est sur du 0% critique, ça me gênera pas pour le mode dans lequel je vais m'en servir, et là on a 42 de puits. Et prêt à partir en overécrit, donc c'est 42, c'est quand même assez énorme. Alors je vous filme ça et je vais essayer de compter les succès critiques que je fais au fur et à mesure. Donc c'est parti. Voilà, j'en ai compté 5 pour l'instant. Est-ce qu'on en a un sixième? Est-ce que je me suis planté? Je crois que c'est bien ça doit être 5. Je vais vérifier quand même au début, mais là, 1, 2, 3, 4 et un cinquième. Ouais, on est bien à 5. On est bien à 5. 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai un moins 8 réécrit. Bon, je tenterai peut-être une invoque si le PO repasse. Tant pis. On se retrouve avec une cape de Duodin que j'avais faite dans une vidéo précédente et sur laquelle j'aimerais avoir au moins 3%. Donc là, on a un très beau G à 2%. Mais c'est pas suffisant, donc je pense qu'on va tenter une petite invocation. Ce serait sympa d'avoir une petite invoque là-dessus. Petite tentative sur un PA, donc bon, on va voir ce qu'on peut faire. On n'est pas trop mal, je sais pas si ça va suffire pour tout remonter. On va faire au mieux. Alors, moins 3 sur la vitalité. On va remonter bien sûr à 352 moins 10. Je vais balancer une petite rune d'initiative comme ceci. Hop. Allez, l'intelligence, c'est là que ça va être un petit peu délicat. Oh, ça passe très bien. Ça passe très bien. Ça, c'est chouette. Ça veut dire qu'on aura peut-être un truc bien à la fin. J'ai les 15 soins. Ça, c'est une bonne chose aussi. Le tac, triple critique. Alors là aussi, c'est vraiment chouette. Oh, je suis optimiste. Je suis très optimiste. Bah, il n'y a plus grand-chose à remonter là, hein. Moins 12, plus que l'esquive PM, et on est parti. Ça me laisse donc, ok, j'ai 44 de puits. Je peux utiliser 2 de puits, je peux essayer de mettre sur. Bon, même là, si je vais en vitesse, je vais en over en fait, donc non, ça ne sert même à rien. Bah, je suis obligé de les laisser inutilisés, tant pis. Ça me fait donc 7 tentatives. Et donc, je rappelle, on vise un 3% minimum. Bon, bah 2%. On va tenter une invoque à nouveau si le PA repasse et pas de PA. Petit puits PA, et là on a vraiment une tentative très intéressante parce que j'avais eu un puits PO peu de temps avant et vous voyez que j'ai pas de grand chose à remonter, il manque juste le tac, la vitalité et c'est tout. C'est tout donc j'espère que ça va le faire. Ok, on a un succès crit sur le tac, je vais remettre la vita à 360, voilà ça passe du premier coup, c'est génial. Là, il y a moyen que ce soit vraiment chouette la vitalité. L'intelligence qui était déjà à 79, ça m'enlève une énorme épine du pied. Ok. Allez, le tacle. Qui crit à nouveau, hein, ça c'est vraiment chouette, on a moins 6 ici. Eh bien, ça nous fait 78. Ce qui nous laisse 13 tentatives. Eh bien là, il y a moyen de choper peut-être un 4%, soyons fous, on y croit. Bah, allez. Petit stress là, j'aimerais vraiment avoir un gros truc. Ok, 1% à au moins 3. Quel dommage. Quel dommage. Et bien sûr, si la Cyclopéa repasse, bon, on va mettre une invoque, hein. C'est un peu triste, hein. Ça aurait pu vraiment bien se finir. Puis PA qui est pas top là, l'intel, on va devoir over, on va devoir également over la vitalité, on n'a pas tous les soins. Bon, en revanche, on a les 40 de sagesse. On va voir ce que ça donne. Oh, je perds beaucoup de puits sur la vita, moins 40. Mais ça veut pas tout dire, hein. Des fois, ça part très mal et après, il suffit que j'ai 3 tentatives sur les raids et que les 3 passent et on peut quand même bien s'en sortir, hein. Donc. Faut jamais baisser les bras, moins 8, ok pour l'intel qui passe déjà mieux. Je vais la rebaisser avec un dommage. Hop. Allez le soin, bah là il va me le falloir. Ah ça prend du puits aussi cette merde. Hein. Il me reste plus grand chose au niveau du puits là, je suis même pas sûr qu'on aura de quoi faire des tentatives. Là j'ai 14 qui ont dégagé, ok tant pis.
Bon, cette fois-ci, on n'a pas un truc incroyable, on a 14 de soins, mais bon, c'est dans l'ensemble à peu près correct. Tout va dépendre des critiques qu'on a éventuellement. La vitalité, je vais devoir over. Là, on a 3 et 13. Alors, moins 13 depuis. Ok, il faut que je récupère 2 là-dessus. On va mettre une petite rune comme celle-ci. Voilà, c'est nickel. Ensuite, l'intel, il va falloir balancer des Rainées. Oh, le double succès critique sur la Rainée. Ça fait extrêmement plaisir. Si on peut avoir pareil sur du soin. Non, malheureusement, ça ne sera pas le cas, mais c'est quand même plutôt correct, hein. Ok, bah voilà, sur l'intelligence, ça nous a mis bien, et on aura peut-être moyen d'avoir un truc correct à la fin. On va voir ça. Bon, bah là, il n'y a plus grand-chose à remonter, ça va aller relativement vite. Ah, j'ai perdu beaucoup de puits sur la res, là. À mon avis, ça va être chaud. On a 5 ici, on a 4 ici, moins 9, ça nous laisse 20. 20 de puits, bon, je peux balancer 2 sur de l'intelligence, mais à ce stade, c'est clair que ça passe pas. Et là, bah, si je veux remettre 3%, il faudrait que les 3 passent. Ça commençait presque bien, mais non. Ça ne sera pas le cas. On a le PA, on va mettre une invoque. Dommage. Encore une tentative qui n'est pas incroyable. Je suis assez pessimiste. Bon, on va test. On va test l'over-vitalité qui passe plutôt bien. Qu'on va venir redescendre. Ensuite, il nous faut un over-intel. Ça prend du puits tout ça. Bon, je remets ça avec les dommages bien sûr. Hop. On va mettre le deuxième, ça nous fait moins 5. Il reste déjà plus beaucoup de puits. Il faudrait que je passe à 15 soins. Oh, le critique sur le soin, ça me met vraiment bien. Bon, il y a peut-être moyen. Moins 18 sur les résistances. Ouais, on n'aura quand même pas grand-chose malheureusement. Moins 4 sur le tacle. Il reste une esquive PM à passer. Ça passe, mais bah, du coup j'ai que ça depuis, il me reste de quoi faire une tentative. On ne va pas aller très loin avec ça malheureusement, et ça ne passe pas. Mais bon, d'accord. On a 97 depuis, bah, là, on est parti. Hop, la vitalité, moins 20. L'intelligence, moins 20 également, ça nous fait moins 40. Bon, ça fait mal, hein. Ça fait beaucoup de puits qui dégagent, et le soin qui prend 30. Oh là 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 là, 27 restants. Avec en plus la sagesse à remonter. Ok, ça critique, c'est pas mal. Là, à nouveau, oh, ça, c'est peut-être moyen qu'on termine avec un truc potable. Ok, donc là, on a moins 8, moins 5, 14 restants. Ah, malheureusement, avec 14, on ne va pas aller très loin. Moi, je vais tenter deux petites runes ici, au cas où. Hop! On a 1% qui passe. Bah, ça va peut-être finir en tentative invoque. Hop! Puis PA tout à fait correct, là on a quelque chose qui est vraiment vraiment pas mal. Alors je regarde la ligne d'avant, là j'avais un intel, j'avais deux depuis là-dessus, et j'en ai perdu un, que normalement j'ai 1 plus 90, donc 91. Ok, là j'ai les 15 soins, j'ai vraiment un truc pas mal. Bon, il va falloir revoir en vitalité et en intel, mais à part ça c'est plutôt correct. Ok, la vitalité qui passe directement, c'est pas mal. C'est pas mal qu'on va venir baisser ici. Ensuite, l'intel qui passe plutôt bien, un succès crit et un succès neutre. Ça nous fait donc 71 de puits. J'ai rien qui pèse 3 pour enlever l'intel. Du coup, ce que je vais faire, c'est que on va y aller. C'est quoi ça? C'est une pas-âge. Pas-âge, ouais, c'est ça. Allez hop. Voilà. Et c'est parti pour la suite. Dommage feu, moins 5. Et la res R. Moins 12. Ok, là on est pas mal du tout, on a 54. Ce qui nous fait donc 9 tentatives sur un jet qui est vraiment très propre. Ouais, vraiment là c'est magnifique, hein. C'est magnifique. 349, 80, 40, c'est très très beau. Allez, j'y crois, le petit troisième pourcent là, s'il vous plaît. Et non, ça ne sera pas là-dessus, malheureusement. Et le PA qui passe pas. Wow. Je viens d'avoir une tentable, les amis. Le PA vient de tomber là, et regardez ce G. On est très peu de runes après la dernière tentative. Et j'ai eu un puits PO qui s'est bien passé. Ce qui m'a permis de très bien remonter l'item. Et là, il me reste juste la vitalité à passer, et tout est parfait. Allez, là, c'est vraiment maintenant qu'il me faut un truc incroyable. Ok, ça passe, c'est vraiment bien. 81, ça nous fait donc 13,5 de puits. J'ai même un petit peu de rab. Je pourrais tenter 3 runes vie et ensuite tenter 13 runes de faire ça. Ok. Donc moins 3 et divisé par 6, on a bien les 13 tentatives. Allez hop. Ah, si j'ai pas un 3% là-dessus, j'arrête la FM hein, concrètement. Allez.
Oh là 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 là. Bon, j'arrête pas la FM, mais je vais quand même essayer de passer une invoque. Si on a le PA, dommage. Ah, oh, ça partait tellement bien, c'est triste. Puis PA suivant, bon, c'est pas incroyable, c'est quand même relativement propre, il va juste falloir revoir la vitalité, ça va être assez complexe, étant donné qu'on a 326 là, bon, on perd 30 depuis. On perd 30 depuis, mais c'est pas bien grave. Ensuite, les dommages. Hop. Nickel. Nickel. Allez, l'intelligence, si ça passe bien, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Ok, moins 9 ici. Et plus que l'esquive PM a remonté, et on va pouvoir exorèse. Moins 14. Et ça nous laisse donc 44 de puits. J'ai 2 de puits en rab que je vais tenter d'utiliser sur l'intel. Ok, bon, ça passe pas, ça a très très peu de chances de passer, bien sûr, ce genre de choses, mais c'est toujours mieux de ne pas gaspiller. Là, les 7, 7 runes de res, il n'y en a qu'une qui passe, c'est un peu triste. Le PA repasse, et est-ce qu'on n'aurait pas une petite invoque? Non. Petite tentative sympathique, juste besoin de faire un overvita et on est parti, ça va être correct, je pense. On a moins 3 ici. Moins 13, ok, on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop trop mal. On va voir pour l'intel ce que ça donne. Ok, moins 19. Ça nous laisse 58. 58, et là il n'y a plus que le tacle et un dommage à remettre, ça devrait le faire. Moins 13. Donc 45, j'ai 3 de puits en rab. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite painée. Hop. Donc ça nous fait 7 tentatives. 7 tentatives, c'est parti. Oh, décidément, c'est pas... ça passe pas très bien les restes là-dessus. Hein. Le PN passe pas non plus. Là, ça va être assez chaud, je pense. On va voir. Il y aura besoin de rien over. On va tomber sur une bonne vita, une bonne intelligence. Mais il y a quand même beaucoup de choses à remonter. Donc, on va voir. On avait 99 de puits à la base. Est-ce que je pars directement sur la vitalité? Allez, 8, moins 10. Hop. L'intel qu'on va venir remonter. Moins 20. Et il me manque un soin également. Le soin qui crit. Ok, c'est pas mal. Bah, en fait, on est très bien là. On est très bien. Hop, moins 9. Ça nous fait 54, c'est parfait. 9 tentatives. Bah let's go. Hein. Allez, une, deux, peut-être une troisième. Une troisième, yes, enfin. Enfin une tentative à 3%. Avec un PA, ce sera nickel. Ah, oh, c'est dommage, vraiment dommage. On se retrouve ici dans une situation un petit peu particulière, parce que j'ai eu un puits PA en remettant un PO qui était tombé. Sachant qu'il me restait probablement du puits d'avant pour le PO, parce que j'ai pas compté, j'ai juste voulu remonter le G avec, donc là on a quelque chose d'un petit peu flou, potentiellement un peu compliqué, mais comme le G est globalement à peu près propre, ça peut quand même marcher, donc on va voir. On va voir ce qu'on en fait. Hop, le petit 13 ici, on va mettre également la vitalité, qui prend pas mal de puits, moins 28, l'intelligence, pardon. L'intelligence, hop. Il ne reste plus que les esquives PM et on est bon. Est-ce qu'on va arriver à aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. Hein. Moins 21, non, 1 de puits restant, on va pas faire de trucs incroyables avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah tiens, je. Parce que là, ça sert clairement à rien de tenter un PA sur un G presque parfait parce qu'il y a un PA. Un PM, ce serait débile parce que ce serait pas du tout optimal de mettre un PM sur un item puis PA. En revanche, ce qu'on peut faire de potentiellement sympa, c'est tenter un succès critique sur une résistance distance. Et ça, ce serait pas mal, c'est quelque chose que je vois assez peu souvent, et moins reliquat. Ah bah, j'avais du puits d'avant apparemment. On y a donc une deuxième tentative, et non, ça ne passe pas. Dommage, on aurait eu un truc comme ça ferait un item vraiment sympa. Sachant que ça pèse 15 de puits, on peut considérer que c'est 2,5% de res, donc c'est entre le 2% et le 3%, ça aurait pu être bien. Tant pis. Très belle tentative avec 96 de puits, et là, il y a moyen que ça se passe très bien, on est sur des valeurs qui m'arrangent vachement sur la vitalité et l'intel. La vitalité, puisqu'en utilisant des pavis, on peut arriver à 299 puis à 349 comme vous le voyez. Donc moins 16 ici, et l'intel qui m'amène également à 79. Avec un succès critique en prime, c'est nickel. On a les soins, on a tout qui est pas mal, là bah, franchement il y a moyen que, que ça se passe très bien. On a... ouais, on perd un petit peu ici, c'est correct, on a moins 15. Moins 15 qui nous laisse 55 de puits. Eh bien je vais utiliser un de puits sur l'intel et... repartir sur 9 tentatives de res, en espérant que j'ai à nouveau un 3% comme tout à l'heure. Malheureusement, ce ne sera pas un 3%. On a le PA à nouveau là-dessus. Bah, j'ai dernière rune invoque, décidément, à force d'avoir des tentatives sur du 2%, avec des invoques, il va falloir que j'aille racheter des runes. À nouveau, une tentative plutôt sympa, malgré la vitalité, là, ouais, c'est le seul souci qui est beaucoup trop élevé, mais yes, ça passe.
Ça passe, moins 10. Et donc je vais pouvoir la rebaisser. Il va falloir que j'utilise une rune. Idéalement, il aurait fallu une rune qui pèse 6. Si je balance une rune qui pèse 16, c'est possible que j'ai un peu de gâchis. Donc on va faire une dommage. Ça ne marche pas. Et là, avec une rune Inni, si j'en trouve une, bien sûr. Où est-ce qu'elles sont mes runes Inni? Ici. Hop. Voilà, ça me permet d'arriver à 350 piles. Et ça, c'est parfait. Ensuite, l'intelligence. Hop, moins 9. Sagesse, dommage, esquive, et on est parti pour la suite. Ok, c'est pas trop mal. Ah, il va falloir que j'aille racheter des dommages feu. C'est chiant, ça. Je déteste à chaque fois interrompre mon FM pour acheter des runes. C'est horrible. Moins 7. Ok, on est pas mal là. On est pas mal. 64, j'ai 4 de puits en rab. Qu'est-ce que je fais? A priori, j'avais pas de trucs qui restent en avant. Je vérifie quand même. Ici, j'avais 4. Là, j'ai perdu 3, a priori. Ouais, non. Est-ce que ça vaut la peine que j'utilise 4 de puits sur les runes innées? Ah oui. Ouais, des fois que ça passe, on sait jamais, hein, mais... Ah non, j'aurais peut-être mieux fait de tenter un succès crit sur une qui pèse 2, mais bon, c'est pas grave, j'ai tenté. On est parti donc pour 10 tentatives sur les raises. Et bah allez, un 3% là, ce serait... Ouh, ça part bien, ça part très bien. Allez, un troisième. Ah, dommage. Dommage, pas de troisième et pas de PA. Joli petit puits PA qui me dégage 96 de puits et je crois que j'en avais un de résiduel d'avant, mais je garde un tout petit doute, donc peut-être que si je me retrouve avec un de puits inutilisé, je le garderai sous le coude en rab pour pas faire de conneries. Bon, voilà, une fois que ça c'est dit, eh bien on est parti. La vitalité, ça part sur un petit coup critique des familles, c'est nickel. L'intel, moins 20, c'est correct. La sagesse qu'on va bien sûr venir remonter à 40, ça crit aussi. Ouh, on est bien là, on est très bien. On est très bien, le tac qui crit aussi, c'est la folie là, c'est la folie complète. Moins 5, et on a donc, bah voilà, je vais pas utiliser le 1 de puits que j'ai en rab, bon je vais en balancer 1 pour l'intel, mais on s'en fout un peu. Ce qui compte c'est surtout que là j'ai 11 tentatives sur les raises, sur un jet qui est magnifique, et je crois au 3%, j'ai rien d'autre à dire que ça. J'y crois complètement. Et j'y ai trop cru, comme d'hab. Le PA qui ne passe pas. Bon là on a eu un petit puits PO, bon ça m'a l'air un peu foireux mais je vais quand même le filmer dans le doute. Il va falloir que je parte sur un gros overvita mais ça passe. Ok c'était un petit peu osé ça. Mais ça s'est bien passé et là je vais essayer de le récupérer là-dessus. C'est nickel. C'est nickel et bah, il y a peut-être moyen d'avoir quelques petites tentatives. On va voir ça. Si l'intel passe, ok moins 10. Bon ça me laisse tout pile de quoi tenter 3. 3 runes de res, donc si des fois j'ai le triple succès. Non, ça ne sera pas le cas malheureusement. On va retenter l'invoque, le PO, pardon, et là bah du coup on va partir en tentative invoque, hein, comme d'hab. Et non. On a ici un puits PA sur une AG qui est plutôt acceptable, avec 15 de soins, donc ça c'est une bonne chose. En revanche là il faut faire un overvita, donc ok, un petit critique ici, ça passe plutôt bien. Ça passe plutôt bien, on va rebaisser la vitalité à 348. Ensuite, l'intel. Moins 8 ici. Qu'on va venir monter à 80 piles. C'est plutôt pas mal ça. Oh, un succès critique, ça fait plaisir. Bah là, il y a moyen que ce soit pas mal. On va avoir une belle tentative, je pense. Plus grand chose à remonter à ce stade. Ok, moins 18 sur la dernière résistance. Là, c'est un peu dommage. On perd du puits là-dessus. Moins 5 et moins 4. Ça nous fait donc 35 de puits. Ah! Eh bien, j'aimerais bien en passer une en crit. Si j'ai un critique sur une rune AJ par exemple. Ouais, non. Bon, tant pis, j'aurais donc que 5 tentatives et pas 6, comme ça aurait pu être le cas, tant pis. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on est à nouveau sur 1%, c'est dommage. Alors ici, juste après l'exploitation d'un puits PO, pendant que je... enfin, quand j'ai essayé de remettre le PO, le PA est tombé. Ce qui fait que j'ai un G qui est dans l'ensemble pas trop mal, mais malheureusement il manque un PO et le PA, donc on va devoir terminer par une tentative de double succès critique à la fin. Ça va être assez osé, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. On a peur de rien, il n'y a pas de souci. Hop. Ok, bon. Alors là on a 39 de puits apparemment. Et on a un G qui est bien. Eh bien on est parti. Alors on va faire 6 tentatives je pense. Ok. Et on va tenter le PA, la portée et ensuite l'invoque. Ok, bah c'est réglé.
Bon, bah là, on a une tentative qui est bon, rien d'incroyable. On va voir ce que ça donne. Hop, moins 3 ici. À nouveau, un over vitalité. Ok, on a un crit, c'est pas mal, on s'en sort bien. L'intelligence qui est relativement basse, il va falloir essayer de la remonter au mieux. Moins 5 ici. Allez, la double rainée. Ah, moins 30 de plus, ça pique. Et il va nous falloir remonter également la sagesse qui fait un double crit. Ça, c'est très très bien, ça. Ça, c'est très très bien. Ça va peut-être nous sauver la mise. Dommage feu. Ok. Le talc qui crit. Moins 5. Ok, on est à 30 de puits. Je peux utiliser un ici dans le doute. Ok. On s'en fout. Ça me laisse donc 5 tentatives. Allez, c'est parti. Ok, j'ai 2%. C'est pas fou. Et pas de PA. Bonjour, c'est Grifox. Dans cette vidéo de Forge Magie, on va faire un brisage PA, mais qui va être particulièrement stressant pour moi. Enfin, du moins, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce dont il s'agit. C'est une pelle cour sombre. Pelle cour sombre qui a un jet, comme vous le voyez, assez spécial, puisqu'il n'y a pas il y a pas la portée, mais on est sur un truc presque parfait. Il manque juste 1% de rester et un dommage R. Alors, pourquoi j'ai fait cet item et pourquoi il est dans cet état? C'est tout simplement car c'est l'arme de mon Ouginak. Donc Ouginak R pour PVP, je joue avec une pelle cour sombre depuis très longtemps et j'aimerais bien avoir un énorme G. Seulement cet item il est très dur à FM, il y a 50 sagesse, il y a 30 répoux, enfin il y a pas mal de trucs assez complexes. Sur Puy PO c'est compliqué, mais sur un Ouginak la portée, enfin en tout cas un Ouginak R, la portée ne sert vraiment à rien du tout. Donc je vais partir sur un G sans portée, voilà tout simplement. Alors ce que j'ai fait pour le FM c'est que bah, j'ai utilisé le Puy PO, ce qui m'a permis d'arriver à ce G, et quand j'avais plus de Puy, j'ai tenté un PA et ce PA est passé. Voilà, bon bah sur ce, je suis parti. Donc vous avez compris ce que je cherche à faire, ça va être soit de miser sur des succès critiques et donc d'aller chercher les 10% restaires, les 12 dommages R sans péter tout le reste. Soit tout simplement bah, de faire péter le PA et, en essayant de maintenir un très bon G, et auquel cas je partirai sur un Nexo Résistance R. Voilà. Donc là je suis vraiment. J'ai limite le cœur qui bat à fond tellement j'ai envie que ça se passe bien parce qu'un G comme ça, wow, il y a quand même une opportunité qui est énorme derrière. Allez, on est parti. Oh là là, le PA qui tombe direct. Oh là 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 là, yes, je ne l'ai pas massacré. Bon, j'aurais préféré dans l'immédiat, enfin dans l'absolu, pardon, que le PA reste et que j'ai un double succès critique, mais ça, bien sûr, c'est en probabilité extrêmement faible. En revanche, que je récupère directement du puits comme ça, c'est quand même pas mal, hein. Donc, moins 12, on a les restes. Maintenant, on est parti sur le dommage R, moins 10. Ce qui nous laisse 72 pile poil. 12 tentatives pour des résistances R. Alors là, j'aimerais vraiment. Bon, je peux enlever les runes de signature. J'aimerais vraiment avoir au moins un 3%. Allez, 1%, yes. 2%, yes. Oh, si j'ai un 3%, mais. Ah, j'y crois plus. Oh là 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 là. Bon, j'ai un 2% sur un G qui est quand même ultra clean. J'aurais aimé avoir un 3%. Un 2% comme ça, c'est faisable sur le PO avec un peu de chance. C'est faisable. Bon, bah malheureusement, je vais devoir rester sur ce G. J'aurais tellement aimé voir un 3e% passer. Bon, c'est pas grave, c'est quand même, ça fait quand même plaisir. On reprend maintenant l'arc corrompu. Donc ça, c'est un G que j'avais fait dans une vidéo il y a un petit moment, qui est pas mal, qui est pas mal. J'avais 3% crit à la base, et j'étais passé à 4% en succès critique, sans casser le G et sans casser l'Exo Rester. Donc c'était assez original. Mais malheureusement, il y a 23 réécrits sur 25, et donc ça me convient pas du tout. Alors là, j'ai deux options. C'est soit je tente le succès sur la part écrit, soit je te mets un PM, et un PM, ça ferait plaisir aussi. Qu'est-ce que je fais? Sachant que le succès sur l'appareil écrit est quand même peu probable. Je pense que je vais aller sur un PM. Parce qu'un PM là-dessus, ce sera quand même pas mal. Est-ce que je fais ça? Allez. Dommage. Bon, bah alors on enchaîne sur cet arc. On va essayer de faire un FM propre. J'ai 47 de puits ici. Eh bien, c'est parti. Hop, moins 3. Ok, on va pas aller plus loin que ça, je pense. Puis PO qui est pas incroyable, bon on va voir. On va voir, ça va. Bon la vitalité et l'intel vont quand même bien tomber. Là on est à 1, 2, 3, 4, 5, moins 15 de puits sur la vie. Hop. Voilà. Oh, le petit critique sur la ravie qui fait plaisir. Moins 6. Là vous voyez on arrive à 348 à 69. Donc pas besoin de balancer d'over, ce qui est pas mal.
C'est pas mal, mais il y a quand même encore beaucoup de choses à remonter. Et puis il descend. Il ne reste plus que 11. Ah, ça va être compliqué, hein. Ouais, dommage. Bon, là j'ai interrompu le FM, j'aurais pas dû. Vous voyez, suite à l'échec de tout à l'heure, j'ai remis la portée. Et directement après, j'ai récupéré un puits PO sur la rune suivante. Donc, bah, peut-être qu'on peut avoir un truc sympa. Parce que du coup, le jet est encore remonté sur pas mal de choses. Ouais, on va laisser la vitalité, l'intelligence comme ça, tout est pas trop mal. Il y a juste les petites lignes en bas à remonter là. Et il y a les dommages feux qui ont pris très cher en fait, en repassant le PO, c'est assez dommage. Allez, on va voir si ça en prend pas trop. Ok, comme le, ouais, comme l'item était assez bas en général, ça a pas mal crit. On perd que 10 pour l'instant, ce qui nous laisse 34 depuis. On va voir ce que ça peut donner éventuellement, moins 14 là-dessus. On aura peut-être une tenta. Moins 6. Ah, il y a encore les deux fuites derrière. Moins 5. Ah, c'est compliqué. Hein. Moins 4. Il ne reste que 5 depuis, malheureusement. On va faire une tenta PA, je pense, plutôt que de partir sur je ne sais quoi. Ok, bah pas de PO. On a ici petit pupéo sympathique. Sympathique, on a un G correct. Et la vitalité va tomber tout pile à 350, ce qui fait plaisir. Ok, alors on perd déjà 15 là-dessus, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave. Ensuite, la vitalité qui crit pour la ravie, c'est pas mal du tout. Et malheureusement, ça se compense sur l'intel qui nous prend 20 depuis. Est-ce que je vais avoir assez pour tenter quelque chose de correct? Là, j'en doute, hein. Moins 7 ici. Moins 6, il nous reste 1 depuis. Je vais tenter PO et peut-être PA. Peut être un bon plan de faire ça. Ok, tant pis. J'ai chopé le PO là sur une rune fuite, j'en ai passé une dans la foulée, donc il nous reste actuellement 43 depuis. Et c'était très peu de temps après la tentative précédente, donc la vitalité n'a pas bougé, elle est toujours à 350 et l'intel à 69. Donc en gros, il y a surtout de la fuite à remonter et après on a un truc correct et on peut espérer choper un bon G. On va voir ça. Hop. Oh là là, je perds beaucoup de puits là-dessus. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 24 depuis là-dessus. Ça picote, hein, malheureusement. Je vais garder du coup les résistances critiques pour la suite. Moins 7. Moins 6. Ok, on a un critique ici, donc ça nous fait un moins 6. On est à 6 de puits restants. C'est compliqué ça, hein, moins qu'on ait un critique là-dessus. Ok, on n'a plus de puits. On n'a plus de puits. Je pense que dans les cas-là, ça peut être intéressant en fait que je réfléchissais à l'instant là. Que je mette un PA avant le PO pour faire un truc un petit peu similaire à ce qu'on a fait avant avec la course sombre. Sauf que là, cette fois-ci, on retentera le PO à la fin. Bon, c'est un peu osé, mais ça pourrait, bon, pourquoi pas. On a une petite tentative à 48 de puits sur un G qui est assez équilibré, qui est pas mal du tout, qui va me donner une vitalité à 350. Alors ça fait évidemment bien plaisir. Ben voilà. J'ai même pas eu le temps de dire une phrase, on a déjà plus de puits. C'est la merde, tant pis. Ok, là on a une super tentative, alors j'espère que ça va mieux se passer que celle de tout à l'heure. Et voilà, vous voyez, il y a vraiment tout qui est très très bien, il y a juste un petit peu de fuite de dommages haut à remonter, et enfin là, puis quelques autres trucs, mais sinon, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, alors on a moins 30 ici. Moins 6 sur les récris, alors fuite dommages haut, et on peut partir en résistance. Alors, ça crit ici, et là ça passe. À peu près. Bon, bah j'ai une tentative restère qui passe. Qui passe. Alors, si on a le PO, je pourrais m'arrêter ici. Dommage. On a ici une tentative avec une vitalité qui est plutôt basse, mais sinon le reste est à peu près correct. L'intelligence à 67, ça me pose un problème, mais malheureusement, je vais pas vraiment pouvoir la remonter au-dessus. Ce serait vraiment coûteux d'aller chercher un over là-dessus, donc bah, tant pis, ça restera comme ça. En espérant que ça me. Ouais, on va voir. Peut-être que du coup j'aurai plus de chance sur le reste. Sinon, à part ça, il reste la fuite à remonter et là on est bien. Hein. Moins 4, ok, je peux donc faire deux tentatives sur les restaires. On en a une qui passe et le PO qui ne repasse pas. Eh bien, vous le voyez dans le chat ici, deux runes plus tard, le PO est retombé juste après. Donc en tombant, il a fait tomber l'intelligence et les récris. Ce que je vais donc faire, c'est partir sur un over intelligence qui passe. Qui passe direct, ça c'est chouette. Et ensuite, et eh bien tout simplement, je vais venir le rabaisser avec des récris. Alors, je peux faire ça. Je vais balancer une petite rune en espérant faire tomber. Voilà, nickel. L'intel à 70. Là, on a moins 1. Et voilà, là, on va pouvoir partir avec des récris.
Je vais aller jusqu'à 19 comme ça, je pense. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 14. Voilà, donc là, je comptais en fait le nombre de runes qu'il prenait du puits pour arriver à 19. À partir de 19, j'y vais avec des parts écrits. Donc j'ai ici un moins 6, ok, ça me laisse donc 16 de puits. 16 de puits, bon bah alors là j'ai un peu de rab. Je peux tenter un succès critique sur une Ré-R par exemple, ce qui me permettrait de monter à 18, en cas de succès crit. Décidément. Ok, non, je perds du puits. J'aurai donc que 2 tentatives sur mes pourcents restaires. Ok, j'en ai une qui passe. Le G est pas mal là, un PO là-dessus ça me ferait plaisir, mais malheureusement non. On a ici un puits PO avec une vitalité qui m'arrange pas trop parce que je vais devoir partir en over. C'est pas grave en espérant qu'on perde pas trop de puits. Bon, on a moins 30, ça me défonce un peu tout. Est-ce que je vais pouvoir en faire quelque chose quand même? J'en doute. À part si j'ai un crit là-dessus. Ok, on a un crit là-dessus. Bon, bah voilà, ça nous laisse peut-être un petit peu de manœuvre. Moins 6, j'ai 8 de puits. Je crois que ça va finir en PA tout ça. Ouais, 4 de puits là, malheureusement, je vais pas aller bien loin. Allez, un petit PA. On a ici un puits PO qui va être très difficilement exploitable. Alors déjà il est tombé sur un critique donc ça me bouffe pas mal de puits. Le G est un peu crade. Je vais devoir over en intel. Ok, moins 20. Récupérer l'over sur les récris. Hop, parfait. Ensuite la ravie qui passe également. Et là je vais récupérer l'over avec une rune de résistance. Hop, voilà, ça me remet à 349. C'est correct, moins 6 ici. Et à mon avis, bah, ça va encore y aller en PA, tout simplement. Voilà, j'ai 0 depuis. Un petit PA, je vois pas trop d'autres choses qui pourraient passer. Hein. Wow, 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 wow. Là, je viens d'avoir un super, super puits PO. Alors là, il tombe. Il tombe alors que j'ai la vitalité à 293. Donc, je dois passer une pavie, moins 6. Et... Ok, ouais, je perds beaucoup là-dessus, hein, mais je suis vraiment très exigeant sur la vitalité, donc là je voulais pas la laisser à 343. Voilà, là j'ai 348 et c'est bien mieux. Bon, ça m'a fait perdre du puits, mais c'est pas grave. Il me reste donc 22, mais il y a déjà tout qui est très bien sur l'item là. Hein. Oh, quel dommage. Quel dommage, je perds trop de puits là-dessus. Donc, bah, je pourrais pas aller plus loin. Je vais à nouveau tenter un PA. Tant pis. Allez hop, on enchaîne. On va monter de l'intelligence pour commencer. Moins 3. Ensuite, les grosses runes, allez, Ravi, Rainé, ok, un critique, et un succès neutre, c'est pas mal du tout. On est parti là pour les récris, ok, moins 18, c'est pas, bon, ça pourrait être pire. Le reste est bien, il n'y a plus que la fuite à remonter, on va pouvoir partir sur la restère. Moins 8, et ça nous laisse 6 depuis, ok, bah j'ai qu'une tenta. Hop, ça passe, allez, le petit PO, yes, bah voilà. Voilà, bon bah alors par rapport au jet initial, j'ai juste gagné 2 récris concrètement, j'ai pas regardé les subtilités sur le reste, mais bon, c'est pas incroyable, mais en tout cas, c'est plus propre. C'est plus propre, voilà, bah, je ferai peut-être un peu de tryhard sur cet item, alors soit toujours sur le puits PO, soit sur du brisage, pour essayer d'avoir plus qu'un pourcent. Ou alors du 1% invo, ou du 1% PM, ça pourrait être intéressant. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, je m'arrêterai là pour cet item. On revient sur la cape de Diondin, alors là, on a un petit puits PA sur une esquive PM. Bah c'est parti, alors il va falloir faire un over intelligence. Hop, moins 10. Et je vais récupérer l'over sur une pavie. Comme ceci, nickel. On a donc moins 6. Ensuite, la ravie. Qui passe. Moins 10. Bah voilà, on n'est pas si mal. Ok, il y a quand même ouais, les dommages qui sont pas top. Les raises à remonter également. On a moins 15 là-dessus. Le tacle. Moins 12. Ouais, on va mettre les raises et je mettrai l'esquive ensuite. Moins 12 ici aussi. Et esquive PM, on a un critique. Ok, 29 de puits. 29 de puits. Alors, c'est possible que j'en avais un petit peu de résiduel d'avant. Je pense qu'il y a des bonnes chances pour que j'ai un puits en résidu. J'ai un peu la flamme de compter. On va voir. On va voir, mais du coup, je tente pas de remonter à 30 avec un succès crit. Voilà, vous voyez, j'en ai mis 5, et... ah non, 4, et 5, voilà, donc j'avais effectivement un de puits en plus. J'en étais quasi certain, hein, c'est pour ça que j'ai pas trop compté, et le PA ne passe pas.
Petit pupéa qui tombe là sur un dommage feu, on va voir ça, je suis assez optimiste. Bon, on a moins 20 ici. Oh, double crit solaire rainé, c'est pas mal ça. Moins 20. Voilà, donc là j'ai une très belle vitalité, très belle intelligence. Bon, la sagesse à 38, on va pas pouvoir faire mieux malheureusement. Le soin. Le soin qui passe. Eh bien, ça peut peut-être le faire tout ça. Moins 6. Hop. Alors je le rappelle, là on va chercher du au moins 3% ou alors 2% invoque, hein, tout simplement. Ou même 1% invoque éventuellement. Mais en tout cas, voilà. Si j'ai un 2%, je ne laisse pas comme ça. Alors moins 4, on a donc 41 de puits. Ah, je suis embêté là. Je suis embêté parce qu'avec un de puits supplémentaire, eh bien je pourrais avoir 42, donc 7 tentatives. Bon, je crois pas que j'en ai d'avance, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que non. On va voir si j'ai un succès crit. Non, j'ai pas de succès crit. Je peux tenter. Là, j'ai moins 3. Non, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On va partir donc sur 6 tentatives. Et c'est de la reste feu que je voulais là-dessus, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1%. Et le PA ne passe pas. Bon, là, on est dans une situation un petit peu spéciale. Après un puits PO, j'étais arrivé à un GPerf. Oui, c'était un puits PO. Hein. Un GPerf, et du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de faire une rune Rainée pour over un tel. Enfin, voilà, fallait bien que je casse un peu le G. Parce que là, de toute façon, je peux même pas tenter un PA ou un truc comme ça. Mettre un PM là-dessus, c'est débile, ça sert à rien sur un item à puits PA. Donc, voilà. Et en essayant cette Rainée, j'ai fait tomber le PO. Donc, je me retrouve avec 47 de puits sur un G qui est extrêmement pas mal. Donc, bah, on est parti pour bien sûr des résistances. Alors là, j'ai 38 depuis. Bon, bah, allez, on est parti pour 6. 6, et il faudra à la fin repasser un PO. Ok, j'ai qu'un pour cent, c'est pas top. Et le PO ne repasse pas. Je viens de choper un puits PA suivi de. Enfin, voilà, j'ai passé un dommage feu ensuite. Donc, j'ai 90 depuis. 90 depuis sur un G qui est à peu près acceptable. Il va falloir faire un over vitalité qui passe en une rune. Pas mal du tout. Alors là, il me faudrait une rune qui pèse 7. Je vais balancer une esquive PM. Voilà, je retombe donc à 347. C'est nickel. Et là, on est pas mal du tout. Hein. Si le soin n'est pas trop capricieux, et c'est le cas, j'ai pas grand-chose à remonter là, plus que 3 petites runes. Ok, on a moins 6. 11. Ok, moins 11. Et il nous reste donc 59 de puits. Et une fois de plus, j'aurais aimé avoir un tout petit peu de rab. Alors, je vérifie si j'en avais pas avant. Non, j'ai un moins reliquat ici. Ah bah si, j'avais. Là, j'ai eu plus 5 sur celle-ci. Et sur celle-là, j'ai eu moins 4. Donc j'ai plus 1. Donc je peux tenter 10 runes. Nickel. C'est important de savoir un peu décrypter le. Un petit peu décrypter l'historique du FM. Alors idéalement, il faudrait être tout le temps ultra vigilant à ce qui se passe. Mais bon, ce serait extrêmement long. C'est pas évident à faire. Hein. Là, j'ai eu un critique, donc je peux en remettre une. Et voilà, vous voyez, effectivement, j'avais bien les 60 de puits. Et le PA qui passe là-dessus, et comme je l'avais annoncé, le 2% ne suffit pas, donc on passe une rune invoque. Puis PA sur un G plutôt correct, on est parti. Alors il va falloir commencer par la sagesse, hop. Ensuite vitalité intel, et puis il ne restera plus grand-chose. Bon, il y a aussi les soins qu'il va falloir remonter. Mais ça m'affole pas tant que ça. Hop, donc là on a moins 30. Ok, moins 40, toutes ces runes sont passées, un succès neutre, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, on a moins 6 ici pour la résistance, il ne reste plus que le tacle et on est parti. Moins 4, ça m'embête qu'il ait fait un moins 4 le tacle, bon c'est pas grave, on va donc y aller sur 5 tentatives. Hop, 1% malheureusement. Tant pis. Oh, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'exploiter ça? Non. On a un PPA là qui vient d'arriver, on a un G qui est peut-être exploitable. Va juste falloir over un tel, ok, ça passe bien. On a un petit succès critique qui fait plaisir. Là, les deux d'over, je vais les récupérer là-dessus. Hop. Ensuite, le soin, c'est parti. Ok, qui passe. Moins 8. Et la vitalité qui passe également. C'est correct. C'est tout à fait correct. Ah bah là, il n'y a plus grand-chose à remonter avant qu'on puisse partir sur les résistances. Plus qu'une petite esquive PM. Et c'est parti. Hop. Malheureusement, là, il me manque un de puits pour avoir un truc sympa. Alors, qu'est-ce que j'avais avant là? 15 vita. Je regarde si j'ai pas moyen de récupérer un petit puits en plus. Bon, j'ai la flemme de compter en fait. J'ai la flemme de compter, mais on va dire que ça passe. Allez.
Donc je vais en balancer 8. 5, 6, 7 et 8. Ok, j'avais effectivement un de pi en plus, mais malheureusement on reste à 1%. Dommage. À nouveau un pi PA. Bon, cette fois-ci on a une vitalité qui est un peu crade. Ok, on perd 22 pi, ça va, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Je vais. Ouais, je vais être un peu embêté au niveau du pi. J'aimerais bien avoir un truc qui pèse 7 pour le redescendre. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, on va y aller là-dessus. Et je vais mettre un petit DJ. Ok, c'est nickel. Alors maintenant, la Rainée, moins 19. Les soins sont au max. Allez, on va mettre la sagesse, moins 9. Et bah, on y est presque. Ok, double crit sur le tac, c'est pas mal du tout. Ok, c'est correct. C'est correct. Et là, j'ai 7 tentatives. Et hop! Une, deux, elle a une petite troisième? Non, toujours pas de troisième, hein, décidément, c'est difficile à avoir. Bon. On fait une pause dans notre FM fastidieux de la cape de Diondin pour deux petits brisages PA. Donc, on a ici un Satan de Malheur et un Stalak. Alors, sur celui-là, on va partir en Nexor SR. Et sur l'autre, je sais pas, je vais lui demander. Tu veux quoi comme exo sur le Stalak? Hop, bon bah allez on est parti, retrait PA, ok, on a donc ici 8. 8 moins 7 ça nous fait 1, plus 8 moins 7. Ok, je voulais juste en fait pouvoir tenter la pas retrait PA, qui est assez lourde et qui aurait éventuellement pu faire tomber le PA plus facilement. Ok, mais malheureusement c'est pas passé, ça défonce le tacle, c'est pas top ça. Hein. On va y aller à la patac pour remonter. Ok. Plus 88. Ça nous fait donc 89 de puits. Bah là, je vais balancer les grosses runes. Hein. J'ai pas. Ça me paraît être le mieux. Ah, ça pique. Moins 48 là-dessus. Si on a de la chance sur celle-ci, on peut récupérer beaucoup de puits d'un coup. C'est très osé hein, de balancer comme ça les runes 3 par 3, mais si ça passe, ça nous fait économiser énormément de puits. Là, ça n'a pas été vraiment concluant, mais sinon, ça peut être judicieux dans certains contextes. Ok, tant pis. On peut pas conclure sur celui-là, malheureusement. On peut pas conclure là-dessus. Et là, sur du 11%, 11% de dommages distance, à la base, ça va être très chaud. Hein. Sauf si on a du crit, mais. Bon, allez, je vais compter le puits à chaque ligne en espérant que ce soit pas trop long. C'est assez contraignant de faire comme ça. Mais bon, ça c'est quand même bien mieux au niveau du comptage du puits. Hein. Pour avoir une exploitation totale des trucs à la fin. Moins 3. Hop, je retombe à 0 ici. 3 décidément. Je vais devoir remonter les autres lignes là, mais pff, à mon avis là on fera rien, c'est dommage. Hein. Ça s'est vraiment mal passé dès le début. Je vais essayer de remonter petit à petit, mais. Ok, on récupère le PA là-dessus. Je suis pessimiste, hein. 3 réécrits, j'ai 94. 94, comment je vais faire? Je peux faire un. Je peux monter ici avec des plus 1. Ok, je vais monter à. Je vais monter à 20 comme ça, et après j'irai avec des pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moins 20 ici. Ensuite, on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. 1, 2, 3. Ok, là j'ai moins 12. Je vais remonter un peu le reste et je reviendrai là-dessus après. Histoire qu'on ait un G quand même relativement équilibré. Ok, le critique ici qui met plutôt bien. Ça, c'est pas mal. Ouh, double crit sur la fuite. On va y aller. Non, elle a pas fui. Moins 12. Il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose là. Ok, ça s'est plutôt bien passé là depuis la chute du PA. Moins 6. Je vais faire la pas fui. Moins 24. Si j'ai un crit sur celle-ci, ça peut être bien. Ok, ça crit pas. Ça crit pas, et là, ça va être assez complexe. Hein. Hop, ok, un critique là-dessus. Et ok, là, on a ça qui passe. S'il a un PA, je serais d'avis à mettre un PA pour le repriser derrière. Parce que là, bon, je pourrais tenter une papuie en crit, mais même ça nous ferait juste un GPR. Et concrètement, bon, c'est pas ouf, quoi. Je vais lui demander s'il veut qu'on mette un PA. Un PA sur ce jet serait quand même appréciable. Hein. J'ai pas l'impression qu'il ait mis les runes PA ici. Est-ce qu'il en a? Sinon, je vais lui enfiler une des miennes, hein, c'est pas du tout un problème.
Allez, allez, on se réveille. Non, non, c'est bon. Bon, envie d'attendre 1 heure. Hop! Eh, dommage. Bon, allez, je retourne à ma cape de Durandin, moi. Tant pis. On a ici un joli petit puits PA sur la cape de Durandin. Donc, on est de retour là-dessus. Allez, on est parti. La vitalité, il va falloir la remonter. On prend 18 en moins, là. Ouf, ça pique. Ça picote, c'est pas grave. Hop, la ravie qui passe. La raïnée qui crit. Et le soin. Ok, moins 20, dommage. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? On va monter ça, moins 6. On peut remettre la sagesse. Moins 9. Et ben, on va pouvoir directement. Oh, je perds 15 là-dessus, ça fait chier. Dommage, 11 de puits. 11 de puits, je vais tenter. Voilà, j'en ai tenté deux, je savais que j'allais un petit peu dépasser mon puits, mais de toute façon, on fait rien de ce jet. C'est dommage. Bon, cette fois-ci, on a la vitalité qui est assez basse, donc je suis pas sûr que ce sera top. On va faire au mieux. 3, 2, 3, 4, 5. Ok, donc moins 15 pour les pavis. Il va falloir partir sur un Overvita qui me prend pas mal de puits, malheureusement. Hop! Les raïnes qui crit, chouette, moins 9, ok, ça compense un peu la grosse perte que j'ai eu sur la vitalité. Et bah là, il reste plus énormément de choses à remonter. Oh, on a deux crit là sur les raises, c'est pas mal. Moins 12 pour le tacle. Et les deux feux qui passent pour moins 5, ok. Ça me laisse donc 4 tentatives. Hop! 1%, 1%, c'est pas fou. Eh ben, il n'y a pas de PA. On a ici un puits PO, mais je vous le filme quand même parce que là, on est sur du gros jet à la base. Donc peut-être que même si c'est du PO, ça va donner un truc bien. Là, vous le voyez, j'ai que l'intel et la vie à remonter. Et je pourrais partir sur les raises. Moins 40. Et malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de chance là sur les grosses runes. Je vais pouvoir tenter. Alors là, dans les cas-là, le seul truc qui peut être intéressant, c'est une. Résistance, distance, c'est ça. Hop. Ok, en crit, ça aurait été sympa. Puis PO, là, bon, bah rien à souligner de particulier là-dessus. Il va falloir faire un over intel. Ça passe. Ça passe. Je vais récupérer ce que j'ai en rab sur les pavis. Hop, parfait. Ensuite, une ravie qui passe. Et je vais récupérer l'Overvita sur une rune voilà, qui ne passe pas. Bon, c'est pas grave. Et là, bah, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, moins 9. L'esquive PM, moins 7. La res qui crit. Le dos feu, moins 5. Le tacle. Et ensuite, on est parti pour les res. Moins 8. Ok, j'ai 37. Je peux faire 6 tentatives. Je sais pas pourquoi j'ai réduit la calculatrice. Hop! Et 1%, malheureusement, ça commence à être gênant. J'en ai peur à le bol là, et surtout, voilà, vous le voyez là, mes kamas, j'ai plus vraiment de quoi aller racheter des runes. Alors je crois que j'ai vendu quelques trucs pendant le FM, donc j'ai peut-être un peu de thunes en banque, mais sinon, bah, je vais devoir arrêter sans avoir eu le jet que je visais. Ça me frustre un petit peu. Bon, on va voir comment ça se passe. Puis PA ici avec une vitalité qui est vraiment basse, mais l'intel qui est déjà à 68, donc pour peu que les ravis passent assez bien, on peut s'en tirer. Ok, voilà, on a qu'au moins 20 ici, ça passe. Ça passe à peu près. La Rainée qui prend 20 également. Le soin. Qui crit. Ok, cool. Cool. Bon, il va nous falloir passer 3% de raise, moins 12, c'est correct. La petite sagesse qui crit également. Eh bien, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Ah, moins 15 pour le dommage feu, ça picote. On a donc 26. Bon, j'ai 2 de. J'ai 2 depuis. Allez, je vais les mettre sur l'intel. En rab, ça sert à rien. Allez, 1, 2, 3 et 4. Ah. On a eu un succès crit. J'ai donc 2% et pas de PA. On enchaîne sur un puits PA. Bon, l'intel est pas top. Je sais pas si je vais pouvoir la remonter davantage. Alors, moins 3 sur la Vita. Moins 20 sur la vie.
Bon, allez hop, on va repasser tout ça bien sûr. Oh, je vais tenter d'y aller avec une comme ça, voilà, moins 6, c'est parfait. Est-ce que je peux chercher la Rainée ou pas? Ah, je vais rester à 77, j'en ai un peu ras-le-bol de cette cape et j'ai plus beaucoup de camas, donc bon. Voilà, je vais essayer de peut-être revoir un tout petit peu mes exigences à la baisse. Et puis je referai plus tard quand j'aurai plus de sous sur un autre item. Tout simplement. Hop, moins 12. Bon, on a 45 depuis. 45 depuis, ça me laisse 3 en fait. Je peux tenter d'une petite painée. Ok, bon, ça passe pas. Et j'ai 7 tentatives sur les raises. Allez, une. 1%, ah, décidément. Ça passe pas super bien sur cet item. Hein. On est reparti avec un puits PO qui vient d'arriver juste après un puits PA. Donc vous le voyez, là j'ai remis le PA avant. Et le PO qui tombe direct après, donc j'avais un jet extrêmement propre, il manquait presque rien. Ce qui veut dire que là on a, au niveau du puits, il me restait 2. Voilà, je le sais parce que je viens juste de le faire. 2 auxquels je peux ajouter les 51 du PO, les 4 du tacle et retirer les 10 de la Rainée, voilà. Ce qui me fait donc, avec le moins 20 qui vient d'arriver, 27 de puits restant. Bon, ça peut quand même être pas mal, on va voir ce que ça donne, moi. Oh, dommage, on perd pas mal, on avait potentiellement beaucoup de tentatives. Et malheureusement, là, il y a un petit peu tout qui vient de s'envoler. Bon, tant pis. Tant pis, je vais tenter un succès crit sur une rune qui pèse 3. Alors, encore une fois, là, je suis embêté, parce qu'avec le calculette, je ne vois pas ce que c'est. C'est une... Oups là. C'est une page qui est ici, donc on va tenter le succès crit, ça ne passe pas. Et mes petits pourcents de raise. Ok, j'en ai un qui passe. Le PO qui ne passe pas. Je viens juste d'avoir un puits PA là que j'ai exploité, mais j'ai eu tout pile de commettre un G presque parfait sans pouvoir exo en res. Alors je tente une rune distance qui ne passe pas. Bon bah décidément, juste sur la rune d'après, je fais tomber le PO. Donc là je suis encore sur un G très similaire, hein, c'est toujours sur un truc presque parfait. En plus on a du 80-40, 348, c'est vraiment propre. Moins 5, alors là enfin j'ai un truc vraiment intéressant. Là j'ai 41 de puits. Alors ce serait bien que j'arrive à avoir un petit succès critique là-dessus. Allez, un crit, un crit, un crit, dommage, j'ai moins 2, bon c'est pas grave. Je pourrais essayer encore du crit avec d'autres trucs, mais bon, ça passera jamais. Donc je peux tenter 6 runes de résistance, c'est parti. Si ça veut bien. Ok, on a donc un qui passe. Dommage. Le PO qui reprend la raise. Enfin, on a un puits PA qui ressemble à quelque chose là. Alors j'ai 93 de puits, on n'est pas trop mal. Il faut surtout. Il y a un overvita à faire, mais à part ça va pas être si compliqué. Ok, on a un critique sur la ravie, ça met vraiment bien là pour le coup. Qu'on vient bien sûr rebaisser comme ça. Nickel. Ensuite, on va remonter le tacle qui crit. Dommage, feu, ça passe bien également. Allez, c'est parti. Moins 6. Les esquives PM. Moins 7, ça passe plutôt bien hein, comme ça. C'est assez appréciable. L'intelligence pour terminer, qui nous prend 40 de puits. C'est dommage, on avait un truc vraiment bien. Là, ça nous a un peu tout défoncé. Bon, tant pis, j'ai 2 de puits inutilisés. Je vais les mettre sur de l'intel. Des fois qu'on gagne 1. Non, ce n'est pas le cas. Et 5 runes de res-feu. Et à nouveau, on n'est que sur un 2%. Décidément, mon 3%, hein, je sens que je vais encore l'attendre un petit moment, tant pis. Puis PA avec une vitalité assez basse, mais le reste plutôt propre. C'est parti, alors 1, 2, 3, 4 et 5. Et je crois que, en fait, je me suis chié. Non, j'ai 4, j'ai moins 12. J'ai essayé de compter en même temps les pavis, mais je crois que j'ai fait nimp. Ok, j'ai pas mis de puits à la base. Ok, bon, je fais n'importe quoi, on recommence. J'ai donc 97 de puits à la base, moins 12 pour les pavis. Voilà. On y arrive. On y arrive. Les résistances, je vais remonter ça tout de suite. Moins 6. Oh, pas mal de critiques, c'est pas mal. Alors, petite précision pour ceux qui MP des artisans pour des FM. Combien de tavernes pour un FM, ça ne veut rien dire. Hein. C'est le G, c'est le G que vous voulez qui va donner le prix du FM. Ça ne sert à rien de dire combien le FM botte rigide. Non, c'est débile. Il n'y a pas de sens derrière. Enfin bref, voilà, fin de la parenthèse. Mais c'est assez chiant de passer sa vie à répondre à ça. Ça fait juste perdre du temps à tout le monde. Alors, on a 10 ici et 40 depuis pour les grosses runes. Ce qui nous laisse 30, soit tout pile 5 tentatives pour les exorèses. Bah, j'aimerais bien en avoir quand même une. D'accord, on est sur ce genre de FM merdique. Bon bah on va continuer à tenter notre petite rune résistance-distance qui ne passe toujours pas.
Voilà, donc pour faire suite à mon commentaire précédent, vous voyez que je lui ai répondu. Si tu veux un FM, link-moi l'item et dis-moi le jet souhaité pour que je puisse te donner mon prix. Voilà, parce que c'est qu'en sachant l'item et précisément le jet que veut le client qu'on peut vraiment estimer la difficulté de la chose et lui donner un tarif. Parce que bah, sinon, un item en soi, s'il veut un jet pourri avec un mini Overvita ou pour une arme, s'il veut juste mettre arme de chasse, c'est beaucoup plus facile à faire que s'il veut du jet parfait 3%. Donc forcément, le prix du FM est pas du tout le même. Voilà. Bon, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'Intel parce qu'elle a 77, et même si c'est correct, si ça passe sur du 77 après tous les efforts que j'ai mis dans cet item, ça va me rendre dingue. Donc on va monter, on va aller chercher les 80 d'Intel, bien sûr. Voilà qui est fait. Ensuite, il va nous falloir également un Overvita. Moins 20. Hop. Que je vais venir récupérer sur, par exemple, un petit dommage. Ça devrait être pas mal, ok, ça ne passe pas. Là, on a un critique. J'espère qu'on aura. Ouais, ça va, ça va, ça devrait le faire. On pourra partir en over, je pense, de manière plutôt correcte. Il n'y a plus des tonnes de choses à remonter. Moins 8 ici. Et plus que la passa. Qui passe? Moins 9. Ça nous fait 30, et bah, décidément, à nouveau. À nouveau, on a 5 tentatives. Allez, 1, 2. Allez, je crois au 3% là. 3, yes! 4 et 5. Bon, alors là. Vraiment un PA là-dessus ce serait chouette parce que ça fait vraiment longtemps que je suis sur l'item. Oh putain, j'aurais mérité. Tant pis. Le jet était magnifique en plus, vraiment très propre là sur les trois premières lignes. C'est dommage. Bon bah juste sur la rune suivante, le PA retombe. C'était sur une rune tacle. Donc on conserve le jet qu'on avait précédemment et on a juste défoncé le tacle et les dommages feu. Et ben il va falloir remonter ça. Alors 1, 2, 3, 4. 5, 6, je vais déjà enlever ça, moins 6 x 4, 24, hop. Ensuite les dommages, et là je vais monter les deux un peu simultanément. Ok, on a plutôt de la chance là sur le dommage feu. Le tacle passe également bien, moins 4. Ah bah on aura peut-être un truc correct. Moins 10 et moins 14. Ok, on a donc 49. 49, alors là j'ai absolument rien que je peux tenter de concrètement, même si je passe une rune vie, ça me mettra dans la merde parce que ça va faire un over. Donc on est parti pour 8 runes résistance. Et là je vais les passer une par une parce que j'ai fait ça précédemment et ça avait plutôt mieux marché. Bon, concrètement ça change rien, hein, mais. Oh, j'ai à nouveau un 3%. Allez là, deuxième chance sur ce G. Putain! On a un PA ici, bon il y a pas mal de choses à remonter, mais bah peut-être que ça peut le faire. Peut-être que ça peut le faire. On va voir ça. Alors là, on a déjà moins 9 pour la vie. Ensuite, je vais remonter les dommages feu. Hop. Moins 5. Les res. Ouais, ça va, il n'y a pas tant de choses que ça. Ça peut le faire. Moins 6. Plus que les soins, la vitale intel. Et on est bon. Et là, on va avoir. Oh, ça crie, génial. On va avoir, les amis, un G-perf. Mais un vrai G-perf. Bon, ben voilà. C'est bien d'avoir un G-perf, mais. Ça a défoncé tout le puits, ça me casse les couilles! Allez, je tente le PA. Et ça passe pas. On a ici un petit puits PA, 99 de puits. Qu'est-ce que je vais faire pour la vitalité? Va falloir. Je vais tenter comme ça. Je vais tenter d'y aller avec de la Rainée, de la Ravie, pardon. Et si j'ai de la chance, je vais avoir un moins 6. Et moins 5, dommage. Ça aurait pu me faire un moins 6 et m'amener à 350 piles, ce qui aurait été plutôt pas mal. Bon, tant pis. Alors ensuite, du tacle, on a du moins 7. Dommage feu. Moins 5. Les résistances. Moins 6. Esquive PM. Allez, c'est parti. Moins 7. Bah, il n'y a plus que l'intelligence à remonter. Ça va plutôt vite. Moins 20, bon ça va, ça aurait pu être pire. On a 34, 34 de puits restants. Et un petit critique là-dessus, ce serait bien. Ah, enfin! Oh, succès critique. C'est vrai qu'il y en a certains qui me voient mettre mes petites runes là pour bricoler les restes de puits depuis un moment dans mes vidéos. Et c'est vrai que ça arrive très rarement, mais là voilà, je viens d'avoir un succès critique après un succès neutre. Ce qui veut dire qu'entre guillemets, je gagne 2 de puits, donc je monte à 36 et je gagne une tentative sur les résistances. Donc on est parti et on a 6 au lieu de 5. Ça c'est très bien. Ça c'est vraiment très bien, mais si les runes passent, c'est encore mieux. Bon, bah, on a donc 1%.
On a un pupéa là sur un jet qui a été plus ou moins massacré par un porté qui est tombé, qui n'est pas bien repassé. Mais bon, ça peut peut-être quand même faire quelque chose, on va voir. Je suis pas extrêmement convaincu. Je vais partir directement sur un Overvita. Hop. Il y a beaucoup de choses à remonter là, ça va être assez délicat tout de même. Hein. Ouais. Là, on a 3, 6, 9, 12. Hop. Les soins, est-ce que je remonte ça tout de suite? Je vais déjà mettre les raises à 9%. Hop. Ensuite, tacle. Allez, c'est parti. Tacle qui passe. Dommage feu, moins 5. Pour l'instant, ça va. On s'en sort pas trop mal, on a encore un peu de puits. Ça va être le soin et l'intelligence hein, qui vont être délicats à remonter par la fin. Moins 7. Moins 10. Ah, ça va pas nous laisser grand-chose, malheureusement. Ce serait bien que j'ai un critique sur l'intel. Ok, pas mal, j'en ai eu un. C'est pas mal. Ça me laisse donc 19 de puits. Bon, alors là, je pourrais rien faire avec le puits qui me reste en rab. Je pourrais essayer hein, d'avoir 5 succès crit sur un round plus 1, mais bon, en termes de probabilité, c'est tellement faible que je ne le fais pas. Ce serait juste une perte de temps. Et j'ai donc 3 tentatives sur les raises et une qui crit, ce qui m'en fait une de plus. Ok, on est donc sur du 1%. Et putain, décidément, les PA en ce moment, ça passe pas, hein. Ok, là on a un puits PA vraiment intéressant sur un G qui est plus que correct. J'espère que ça va le faire. Alors hop, on est parti. L'Overvita qui passe directement, c'est pas mal. J'ai 32 de puits d'over. Ne mange pas des masses. 32, je peux balancer une esquive PM. Hop, ah bah ça crit. Je comptais m'en servir pour rebaisser l'over. Et le dommage fou qui crit aussi, décidément. C'est assez inattendu ça. Alors qu'est-ce que je fais? Je peux balancer une rune qui pèse 7, 7 de puits, ce qui correspond à 35 de vitalité, ou alors essayer d'avoir du moins 6 avec des plus 1, je vais plutôt faire ça. Moins 6, moins 5. Ok, dommage, ça aurait pu. Ça aurait pu, bon voilà, c'est plutôt bien passé quand même. Le soin. Pardon? À quel moment? Oh, j'avais encore un over, putain, le con, j'ai fait de la merde. Ah bah, on a un crit qui vient compenser. J'ai vraiment fait de la sale merde, là. Ok, je me suis embrouillé. C'est pas grave, j'ai donc eu un plus 1. Au final, j'ai eu un plus 1 depuis avec mon erreur. Bon. Eh bien, on s'en sort pas trop mal. Du coup. Là, je rebaisse bien. En fait, ouais, j'ai confondu, je crois, de 350 avec 360. Je suis fatigué, hein, je suis fatigué de CFM, je pense que vous le comprenez au vu du nombre de tentatives là, que j'ai déjà sur cette cape. Et on a ici un moins 10 qui me laisse 65 de puits. Est-ce que je peux pas choper un de plus? Un petit crit, ce serait sympa. Non. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on va partir sur 10 restes comme ça. C'est possible que je me sois planté, mais là, ça me saoule un peu. Hop. Mais je pense que ça devrait être à peu près correct. Allez, un petit troisième pourcent peut-être? Non, 2%. 2% et décidément toujours pas de PA. On a encore un puits PA là sur un G qui est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Et on a 96 de puits. Alors, moins 4 pour le tacle. Double critique sur les dommages feu. Ça fait plaisir. Moins 6 pour la raise. On a les esquives au max. On est parti pour le soin. Et ensuite ce sera Vita et Intel. Alors à nouveau un critique sur le soin. Ça fait vraiment plaisir. Et décidément les crits là, regardez. Waouh. Là on va peut-être avoir une grosse tentative là. Ah, ça aurait été beau que ça soit comme ça jusqu'au bout. Putain, ça casse tout mon délire là. Dommage, c'était magnifique. C'était magnifique et on perd 40 sur la dernière Rainée. C'était magnifique, c'est tant pis. Bon, on a quand même 46 de puits, c'est pas mal. Mais ça aurait pu être bien mieux que ça. Hein. Et je n'ai pas de succès critique pour monter à 48. Ce sera donc 7, 7 runes de résistance qu'on va pouvoir tenter. Et on a deux succès crit. Donc je peux en tenter encore deux. Et là, on a un 3%. Bon, j'aimerais vraiment qu'il passe ce PA, que ce soit fini une bonne fois pour toutes. Oh là 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 là. Puis PA là sur un G plutôt pas mal. Bon, il y a quelques petits trucs à remonter, mais ça devrait bien se passer. Est-ce que je fais un Overvita? Oui, sinon je vais avoir du 200, enfin du 344. Et ça va être dégueulasse. Alors, on est parti. Hop. Hop. Ouais, je vais. Allez, retrouver mon pote, ok, je fais juste le FM là, donc j'ai moins 20. Moins 20, et il faut un truc qui pèse 3 pour dégager l'over.
Donc on est parti là-dessus. Hop, ensuite moins 6. Ouais. Tout à fait. Le tacle, moins 8. Nickel. La sagesse qui passe. J'appréhendais un petit peu la sagesse, des fois ça c'est assez réticent. Mais là ça s'est bien passé. Moins 20 pour l'intel. Ça nous laisse tout pile 36. Ce qui nous fait 6 tentatives. Allez hop là. Une, peut-être un deuxième. Non, on est donc sur du 1%. Et pas de PA. On a ici un magnifique plus PA qui vient d'arriver. Alors je suis un peu deck parce que j'avais la vita à 250 avec l'intel à 60 et la sagesse à 40, ce qui m'aurait permis d'aller chercher un G vraiment parfait. Bon voilà, du coup on perd d'autres vita sur le PA qui tombe, mais on aura quand même quelque chose d'extrêmement propre. Et j'ai un petit doute sur le puits, je crois qu'il me reste deux de puits là du soin qui est tombé. Donc je les ai comptés, mais peut-être que si j'ai un 3% et qu'il me reste une rune à passer, je la passerai pas par précaution pour être sûr de pas foirer, parce que bah, je sais plus sur quelle rune j'ai fait tomber le soin, en fait je sais pas si c'est sur une résistance R ou sur un tacle. Voilà. Bon bah alors on est parti. Je vais commencer par remonter la vie. Hop. L'intel. Un petit critique. Deux critiques, génial. Génial. Ah c'est bien possible que ce soit sur cette tenta que ça se termine. Allez hop, le tacle, moins 4. Ici on a moins 10, donc moins 14. Oh, je sens venir le gros jet là. Moins 6. Et ah bah en plus on va tomber peut-être. Ah dommage. Moins 21. Oh, on perd beaucoup là. Hein. On perd beaucoup sur les esquives PM alors qu'on avait quelque chose de vraiment chouette. Je vais voir si je peux pas gagner un petit succès crit là-dessus. Non, bon, bah, c'est pas grave. Allez hop. On est parti pour. Non, pas 6. 5 du coup. 5 reste feu. Allez, une troisième. Ah, c'est un 2%. Dommage. Bon, on a ici un puits PO, mais comme on est sur un G qui est pas mal, je le filme quand même en me disant que ça va peut-être donner quelque chose. Allez, on fait ça vite fait. Moins 12 ici. Oh là là, ça enlève déjà beaucoup de puits. Hein. J'y crois moyennement. Mais, ok, on a moins 10. Ok, là, le double crit, décidément, la Rainée, elle passe bien en ce moment. Hein. Le double crit me met vraiment bien. Et bah voilà, là on va pouvoir partir sur les raises, on a moins 9 ici. Ce qui nous laisse 13. Bon, bah on aura peut-être une tenta à 2% à un veau. Non, malheureusement non. Si le PO repasse, et c'est le cas, je vais tenter une rune résistance distance, voilà, sur ce genre de G. Si on a un crit, ça peut faire plaisir. Non. Bon, je vous filme le repassage PA sur un G 2%. Voilà, je ne l'avais pas filmé à la base parce que quand le PA est tombé, le G était très très bas. Mais ça s'est bien passé, j'ai eu des critiques et je m'en sors avec un truc correct. Et si ça passe, j'allais mettre une invoque. Bon. Est-ce qu'on peut récupérer un peu de puits là-dessus peut-être? Non. Bon, on a ici un PA, voilà, sur un G où il va falloir faire Dolover, mais sinon le reste est pas mal. Donc on va faire au mieux. Alors, on va commencer par l'Intel qui prend 42 puits. Oh là là, ça part mal. Ça part mal, 42 puits là-dessus, ça picote. Hop, on va baisser ça comme ça. Ok. Ensuite, la vitalité. 3, 4, moins 12. Il ne va pas nous rester grand chose malheureusement. Hop, ok, ça passe. Et je vais mettre une petite rune réfixe pour retomber à un G correct. Ok, là on est bien. La sagesse sera qui me prend encore 18, et bah il va pas me rester grand chose. Hein. Les raises, moins 6, j'ai 5 de puits, je ne peux rien faire. Et pas de PA, bon comme ça c'est réglé. On a ici un petit plus PA, mais bon le G n'est pas fou. Le jeu n'est pas fou, on va faire au mieux. Allez, c'est parti. La vitalité, on a un crit. Oh, dommage, ça partait bien. J'ai donc là moins 50. Moins 50 depuis. Oh là là, pour remonter ces petites choses là, c'est dommage. Je perds beaucoup. Il y a encore les soins à remonter derrière. J'appréhende un peu. Bon, ok, le tacle qui crit, ça c'est pas mal. Moins 10 ici. Et moins 12, donc moins 22. Hop. Oh, l'esquive PM qui ne passe pas. Moins 14 et je n'ai plus de puits. Il me faudrait un critique sur le soin éventuellement. Non. Ah, j'ai un critique là-dessus. Ok, donc là j'ai plus de puits du tout. Mais pas de PA. On a ici un puits PA. Après que j'ai eu un puits PO mais qui n'est pas repassé. Donc ça a défoncé mes dommages feu. Donc je vais devoir remonter les dommages. Mais sinon, à part ça, le reste est pas mal. Et il faudra plus que je m'occupe de la Vita. Ouais, la Vita Intel, esquive PM. Bon, ça peut le faire. Ça peut le faire. On est parti. Ok, on a du crit là, c'est pas mal. Moins 3. Moins 10 ici. Ok, c'est pas mal. On n'a pas eu 40 000 échecs critiques sur la Rainée comme tout à l'heure. Je vais remonter. Esquive PM. Ah, 21. Dommage. Et les dommages feu.
C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai combien? Oh, j'en ai que 2 qui ont pris du puits là, donc moins 10. Et ça me laisse 36 de puits, donc tout pile 10 tentas. 6 tentas, pardon. 6 tentas sur un jet qui est pas mal. On a à nouveau du 80-40 là sur un tel sagesse. J'en ai pas mal un dé comme ça en ce moment. Ça fait assez plaisir. Alors 1, 2, allez, un petit troisième, ce serait sympa. Dommage. Et enfin, j'ai un PA, mais bah voilà, comme d'hab, hein, c'est pas parce que le FM est long que je vais revoir mes exigences, à la baisse, donc on est parti pour une petite invoque qui ne passe pas, c'est dommage. Ok, donc là, très peu de temps après, on est vraiment ouais, voilà, quelques runes après le dernier PA. J'ai à nouveau le puits PA, donc sur un G qui est resté très correct. Et on commence avec un critique sur la Ravi, ce qui fait plaisir, ce qui fait vraiment plaisir. Hop, on arrive à 350 de vitalité pile. Et là, je suis optimiste pour qu'on ait un truc vraiment bien. Alors, moins 19, on va peut-être avoir beaucoup de tentas là, j'ai presque plus rien à remonter. Un dommage petit crit, c'est nickel. Le tal qui prend 12. Bon, ça me laisse 67 de puits. Ce qui peut me permettre de tenter une innée. Hop, et donc 66, on a 11. 11 tentatives, c'est pas mal 11, hein, vous voyez, c'est quand même assez rare. Bon, est-ce que c'est là-dessus que ça va se terminer et que je vais avoir mon 3%? On va vite le savoir. Ok, on a déjà 1% là. Allez. Oh, sérieusement. 2%. Dommage. On a ici un pupéa sympathique, on a les 15 soins, on a ouais, les choses qui sont plutôt bien maxées là. Il n'y a pas grand-chose à retoucher. La vitalité qui passe. Hop, que je viens rebaisser ici. Ensuite, la païnée qui passe également, moins 3. Hop. Avec un petit critique sur la raïnée, ça fait plaisir. Et voilà, on est presque bon. Le tacle. Le tacle qui me prend que 4 pour 3 de tacle, ça c'est pas mal du tout. Les deux de feu qui crit, et bah décidément, c'est pas mal du tout. Donc là, on a le G qui est maxé et on a 64 de puits. Je vais essayer d'en choper 2 sur un critique là-dessus. Non, bon, bah j'ai 10 tentatives. 10 tentatives à nouveau, ce qui est pas mal du tout. Et ce qui peut potentiellement nous faire un petit 3%. Enfin, allez, un 4% peut-être? Non. 3%. Bon, j'aimerais vraiment qu'il y ait un PA là-dessus, que ce soit plié. Putain, mais c'est pas vrai. J'ai fait tomber le PA avec une rune pas ça. On a un G qui est à peu près potable dans l'ensemble. On est parti. On va avoir une vitalité assez correcte. Là, on va avoir 349 au final. Si je me loupe pas. Ok, on a donc ici moins 9. Hop, moins 20. Ok. Oh, double crit. Double crit, c'est pas mal du tout. Et bah, on est presque bon là. Hop. Moins 12. Les petits deux feux, et c'est parti. Moins 15. Bon, ça aurait pu être mieux, c'est pas grave. 32. Ouais, je vais tenter deux petites runinées. Bon, ça passe jamais hein, sur ce genre de valeur de dentelle, mais c'est pas grave. On fait pas de gaspillage de puits. Les petites runes. Hop, le petit PA. Bon, je suis à un stade là où j'y crois plus trop. Tant pis. Bon, là j'ai un puits PA sur un G qui est complètement merdique. Vous voyez, l'intelligence à 16, c'est le remontage d'un truc s'est mal passé. Je le filme quand même dans l'hypothèse où j'aurai plein de critiques, mais j'y crois pas trop. Allez, on est parti. 1. Ok, 2. 3. 3, moins 9 ici. Bon, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. 2, 3. 4, moins 40. Hop. Bon, en fait, ouais, on va pouvoir faire des petites tentatives sympas. L'esquive PM qui passe. Il n'y a plus que les raises et les dommages feu. Ben, dis donc, j'y croyais pas trop. Moins 6. Ouais, on va avoir un truc correct au final. On va avoir un truc plutôt correct. Si le dommage feu veut bien passer. Moins 15 ici. Ça me laisse 24 depuis. Soit 4 tentatives. Voilà, c'est acceptable. Ouh là là, non. J'ai demandé 4, pas 151. Hop. Hop, 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 allez, c'est parti. Oh là là, on va pas aller loin avec ça. Bon, on a ici un magnifique puits PA qui vient d'arriver. On est sur du gros G. Il y a très peu de choses à remonter. Moins 6 ici. Allez, on est parti, on y croit. Moins 30, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Ok, ça c'est bon. L'intel, est-ce que j'irai pas chercher les 80? Ou alors je reste ici. Là j'ai moins 3. J'hésite un petit peu. Non allez, on va rester là-dessus. Ce sera correct. Ok, moins 10, on s'en sort bien.
On s'en sort bien. Si la sagesse est pas trop capricieuse, à moins 27, c'est dommage. C'est dommage, ça partait bien, la sagesse, la même est dans le fond. Et moins 4 sur le tac, ça me laisse que 3 tentatives. Je vais utiliser un de puits sur l'intel. C'est triste, hein. Bon, on a un 2%. On a le PA. Est-ce qu'on a l'invoque qui va avec? Non, malheureusement. On a ici un joli petit puits PA, 95 de puits. On est parti, on va exploiter ça au mieux. Alors, on va commencer par mettre la vitalité qui va arriver à 349, ça c'est pas mal du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 18 pour la vitalité, l'intelligence. Je pense que je vais aller chercher systématiquement les 80 d'intel en fait. Parce que je me dis de toute façon, la FM est hardcore, alors autant aller dans l'extrême. Comme ça, une fois que ce sera fait, j'y reviendrai vraiment jamais pour avoir meilleur G. Ça me paraît un petit peu. Enfin, ça peut paraître con, mais moi ça me motive davantage. Hop! Donc, oh, le petit crit. Voilà, je vais aller chercher tout le temps les 80 piles d'intel, ce qui est assez facile à faire sur ce genre d'item. Et le critique également sur la vie. Bah, vous voyez, être ambitieux me porte chance apparemment. Alors, il y a 200 à remettre. Bon, décidément, les critiques là. C'est pas mal là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va pas se plaindre, hein. Eh bah, je suis bluffé par ce qui vient de se passer. Tant mieux. Tant mieux, ça me laisse donc 6 tentatives pour les raids. 6 tentatives, et on a un 3%. Oh, alors là, si ça passe là-dessus, sur ce jet aussi beau. Oh, j'y ai tellement cru. J'y ai tellement cru, je suis déçu, tant pis. Bon, là, je viens d'avoir un puits PA peu de temps après le dernier. Bon, j'ai quand même eu le temps de bien massacrer le jet, comme vous le voyez, mais ça peut peut-être le faire si on a du critique. Ok, on a déjà moins 30 sur l'intel, c'est pas top. On vient récupérer l'over avec la vitalité, qui nous fait du moins 9. Ensuite, overvie. Hop, moins 20. Je viens récupérer l'over avec une réair qui passe. La passe à moins 7. Allez, c'est parti. Moins 5 pour les dommages feu. Bon, ça va être un petit peu short au niveau du puits là. Je sais même pas si on aura de quoi faire une tenta. Moins 12, l'esquive PM, faudrait que ça crit. Ok, moins 7. Eh, j'ai même pas de quoi tenter une rune. Bon, on va déjà remettre le PA, puis on va voir ce qu'on fait ensuite. Non, tant pis. Bon, allez, on est parti. Encore un petit puits PA. 60 tentés de 40 sagesse, c'est plutôt propre. Ça peut donner quelque chose de bien. Ok, on a un premier critique sur la Vita. Et un critique sur l'intel, ça part très bien. Moins 20 pour remonter ces grosses caractéristiques, là c'est pas mal du tout. C'est parti pour le tacle. On est parti pour un G vraiment très propre là. Hein. Moins 8. Les dommages, elle est où? Moins 10. Bon, ça va pour l'instant, ça pourrait être pire. Moins 6 ici. Et plus que le soin, allez, j'appréhende un peu le soin qui pèse lourd. Moins 10, ça passe. Ça me laisse 38 de puits. Là concrètement je peux pas faire grand chose avec les deux de puits que j'ai en plus. Bon, je pourrais tenter un double crit sur une rune plus 2 de raise, mais bon concrètement je vais même pas me faire chier à faire ça, ça passera jamais. Hop. Allez, 1%, 2%, 2%. Et bah, si j'ai un double crit sur la PO, on peut faire quelque chose de sympa. Oh, c'est intéressant ce qui vient de se passer. Alors j'avais 2 de puits. Là j'ai récupéré plus 102 plus 12 plus 7 moins 100, donc j'avais 23 de puits après cette ligne, et ensuite j'ai plus 100 moins 51, ce qui me fait que là j'ai 72 de puits. C'est pas mal. On peut enchaîner moins 14, 58. 58, je pense que ce que je vais faire. Je vais essayer un petit critique là-dessus, peut-être? Non. Bon, c'est pas grave. J'ai donc 9 tentatives. Et ensuite, on va tenter le double succès crit sur PAPO. Faut savoir oser des choses dans sa vie, hein. Allez, 2, 3%. Dommage. On a ici un puits PA. Bon, bah, rien à dire d'incroyable dessus. On est parti. Il va falloir faire un over intel. Alors, moins 12. Moins 12. Allez, c'est parti. Ça passe plutôt pas mal, moins 20 ici. Que je vais venir enlever l'over avec une petite rune comme ça, c'est nickel. Et on va avoir un truc propre là, la vitalité va tomber à 350.
Moins 9. Et la petite ravie qui passe. C'est pas mal. Hop, on a les soins qui sont déjà maxés. Il n'y a plus, y a plus grand chose à remonter là. Moins 7 ici. Moins 4. Moins 5, donc moins 9. Et on est à 27 depuis. 27 depuis. Est-ce que je tenterai pas un petit succès crit sur une page? J'avais dit succès crit. Non. Donc on est parti pour 4 runes. 2, 3 et 4. Bon, bon, on aura peut-être une tentative invoque. Non. On a ici un petit pupa sur un jet sympa qui ne demandera pas d'over. Donc c'est pas mal. Si les runes pavis veulent bien passer, là c'est un peu de la merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 18. Oh la vache, ça m'a défoncé mon truc d'emblée. Bon, c'est pas grave. On a la vie qui passe, allez. Moins. Moins 20 là-dessus. Ok, on a eu du critique sur la ravie. Sur la rainée, pardon, c'est pas mal. 54 depuis restant. Bon, il y a quelques petits trucs à remonter, mais ça devrait le faire. Moins 12. Moins 16. Hop, moins 5. Et l'esquive PM, et c'est parti. Moins 14. Ça nous laisse donc 19 de puits. Bon, j'ai un de puits restant, mais je peux rien en faire concrètement, là. Allez, hop. 1, 2 et 3. Et bah, décidément... C'est vraiment de la merde ce qui vient de se passer. Bon, tant pis. Bon, je tente une approche différente. Ce que je fais, c'est que je laisse le PO à 1 sur 2. Ensuite, je tente le PA et à la fin, je vais tenter PA plus PO. Alors, ça peut donner un très gros jet, mais c'est un petit peu plus compliqué du coup. Mais bon, là, comme ça fait un sacré moment que je suis sur la cape, j'ai envie de changer un petit peu, de faire autrement. Donc voilà, je vais faire quelques tentatives comme ça, je pense. Et bon, on verra bien si c'est concluant ou non. Alors... Ok, on perd déjà beaucoup de puits sur la vie, là, c'est un peu de la merde. Ensuite, l'intel. Moins 20. Bon, pour la première tentative de cette stratégie, ça a pas l'air de très bien partir. Mais, bah, je baisse pas les bras pour autant. Hein. Alors, 43. 43, je peux tenter un d'intel ici. Et avoir 7 tentatives sur les runes, c'est parti. 1, 2, 2%. Pas de PA. On a ici un PA sur un G qui est plutôt pas ouf. Pas ouf du tout même, mais bon, on va tenter. Alors, hop, moins 9. Moins 19 pour la vitalité. Je vais venir chercher une réfixe. Hop, moins 11, voilà, pour avoir un truc correct. L'intel, je vais aller chercher l'over. On a moins 9 ici. Un critique, moins 20, bon c'est correct. J'enlève l'over également. Hop. Ensuite, le tacle. Moins 3. Et plus que les dommages feux à remonter. Qui nous font un moins 5. Ok, ça me fait donc 37 depuis. J'ai un de plus en rab, je peux rien en faire. Donc 6 tentatives. 1%, 2%. Toujours pas, c'est décidément, c'est chaud. Bon là je vais d'avoir un puits PA mais sur un jet qui est complètement ruiné en essayant de remettre à la portée, enfin bref j'ai un truc dégueulasse. J'y crois pas franchement, hein. Bon on va tester mais pff, à mon avis ça va rien donner de beau. Allez la vie. Hop, je vais compter combien j'en ai eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins 27 depuis déjà là-dessus. Ça fait mal, j'ai 3 soins à remonter également. Je vais déjà mettre la vie. Hop. Moins 10. Bon, il me reste quand même 43 depuis. Peut-être que ça peut le faire. Allez, les soins. Les soins qui me font du joli critique. C'est pas mal. J'ai que moins 10 dessus. Et oh, bah, ça peut le faire. Moins 12. Bon, 21. J'ai 3 tentas, quoi. 3 tentas et demi. Allez, je vais balancer 3 tentatives sur l'intel. Et 3 13. Ok, bon, je vais essayer PA. Non. On a ici un puits PA qui est plutôt correct, alors je vais commencer par un over sur l'intel pour aller chercher le 80 tout pile. C'est parti. Moins 20. Hop, je vais récupérer les deux de trop sur cette petite rune. Ensuite, la vitalité. Moins... là, du coup, j'ai moins 7.
Et le critique. Ok, 61 de puits restant. Et là, il n'y a plus grand chose à remonter. Ça peut le faire. 12. 22. 26. Hop. J'ai 35 de puits restant. Ce serait bien que j'ai un petit critique sur de l'agilité. Non, dommage. Ce sera donc 5 tentatives et pas 6. Hop. 2%. Bon. On a le PA, est-ce qu'on a l'invoque? Franchement, ce serait sympa qu'il y ait une petite invoque. Hein. Et non. Puis PA sur un G qui est plutôt bas. Qui est plutôt bas, mais il y a des caractéristiques qui sont à des niveaux intéressants. On a okay, un critique ici. Oh, pas mal de crit, c'est pas mal. Moins 10. La sagesse. Non, je vais la garder pour la suite. On va déjà faire le tacle. Moins 8, les dommages feu. Ça doit me faire du 23 si je sais compter. La sagesse, allez hop. 27 depuis qu'il dégage sur la sagesse, c'est triste. Il nous reste le soin. Hop, moins 10. 15 depuis. 15 depuis, bah, je peux tenter d'avoir un petit critique. Ou alors je tente une res distance. Oh, on va faire ça, tiens, ce sera plus drôle. Hop, ça passe pas. Mais je pourrais en retenter une en crit si on a un PA, mais non. Bon, là je viens d'avoir un truc génial. Je venais d'exploiter un puits PO, là, vous le voyez, j'ai remis la portée ici. Et en tentant une ravie, j'ai fait tomber le PA alors que j'ai un G qui est vraiment très joli. J'ai juste un petit over intel à faire et on pourra avoir quelque chose de bien. Alors j'ai 95 de puits. Ok, moins 30 ici. Et il n'y a vraiment pas grand chose de plus à remonter. Hein. Hop, la petite ravie qui passe, moins 9, et il n'y a plus que le dommage feu à remettre. Oh putain, faut que j'interrompe le FM pour aller acheter des runes, je déteste ça, allez, je fais ça rapidos. Il devrait mettre des hôtels de vente des runes dans l'atelier, je trouve que ce serait quand même sacrément mieux. Je passe ma vie à acheter des runes là. J'essayerai d'estimer un petit peu, je me suis défoncé combien de kamas à la fin du FM sur cet item. Mais ça se compte en dizaines de millions et ça me fout un peu les boules là, je pensais pas que ce serait aussi long et chiant que ça. Bon, bah tant pis, hein. Il faut savoir persévérer. Bon, donc, là j'avais moins 10 déjà. Et, ok, moins 10. J'ai donc 46 depuis. Est-ce que j'aurais pas un petit critique là-dessus par hasard? Oh, non. Bon, j'ai donc 7 tentatives là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 2%. Dommage. Waouh! Alors là, une fois de plus, je venais d'exploiter un puits PO et je fais tomber le PA sur un G qui est vraiment très clean. Alors bon, il faut juste que je fasse un tout petit over vitalité, un tout petit over intelligence pour monter sur du gros G. Et j'avais peut-être un petit peu de puits d'avant. Malheureusement, ça va être un petit peu chaud à compter. Oh, quoique, non, si je vais le faire avec vous, tiens, je vais compter. Ça serait dommage de gaspiller du puits là-dessus. Alors, portée qui tombe a priori. Alors, je vais compter avec vous le puits, comme ça vous allez voir un peu comment je fais pour revoir le puits de mes lignes d'avant. Alors ici, j'ai du puits qui est arrivé, je considère qu'à la ligne d'avant, là, j'avais perdu mon puits. Et a priori, c'était une rune tacle. Donc, je considère que j'ai 3. Voilà, parce que j'ai fait tomber une skiff PM, là, j'avais du plus reliquat. Ensuite, j'ai fait tomber une rune PO avec une rune passa, donc j'ai plus 42. Ici. Ensuite, 1, 2, 3, moins 9 pour l'intel, moins 5, moins... 7, donc moins 12 là pour le dommage et l'esquive PM. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 18. Moins 18 pour la pavie. Et ensuite j'ai crit sur l'intel et j'ai fait tomber le PA sur une rune qui pesait 10. Donc j'ai 6 plus 90, 96 depuis. Voilà, donc il faut pas que je me sois chié sur les moins reliquats ou je ne sais pas c'est sur quelle rune je l'ai passé. C'est là qu'il peut y avoir des erreurs, mais... j'estime que c'est comme ça. Donc là, je pense avoir 96 depuis. Et bah on est parti. Hop, ok, moins 10. Et... moins 20 ici. 66 depuis. Bon, alors là, ça devrait être vraiment sympathique. Hein. Je peux mettre 11 runes. Allez, j'espère vraiment que ça va enfin se terminer. J'aimerais bien avoir un petit 4%, j'en ai pas eu un seul pour l'instant. Franchement, ça ferait plaisir. Allez, un troisième au moins. Oh là 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 là. Pas facile, hein. Et on a même pas le PA. Petit puits PA, là, plutôt sympathique sur un G qui est vraiment bien. On est parti. Hop, moins 9 pour l'intel.
que je vais devoir over. Ok, moins 20, ça passe plutôt bien. Allez, la petite rune Re'er qui enlève l'over. Ensuite, la Vita qui passe bien. On a un petit critique, ça fait plaisir. Et bah on est sur du bon jet là. Hein. Moins 6. 45 depuis. Je peux pas faire grand chose avec le pigeon arabe. Je peux tenter un succès critique sur une rune qui pèse 3. Mais à mon avis. Oh. Allez, un crit, non. J'ai donc 7, 7 tentatives là-dessus. Hop. Une. 1% seulement. Et pas de PA. Bon, on a ici un pu PA qui est pas fou. Qui est vraiment pas fou. On va faire ce qu'on peut. Hop, petit intel. Bon, allez, j'arrête de remettre l'intel à 80 parce que ça va être vraiment trop long sinon. Moins 6. Je vais la remettre à combien sinon? Hop. Voilà, comme ça c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, moins 15. Allez, c'est parti. Petite ravi qui crit. Petite rainée qui passe. Allez, on va mettre le soin dans la foulée. Et le soin qui crit. Ok, on s'en sort plutôt bien là-dessus. Moins 7 pour l'esquive PM. Moins 6 pour les raises. Moins 16 pour le tacle, dommage. On perd beaucoup de puits dessus. Et moins 5 pour le dommage feu. Il nous faut donc 34. Et bah là, à nouveau, il me faudrait un petit critique là-dessus. Non. Bon, bah, ce sera donc 5 runes de résistance feu qu'on va pouvoir mettre. J'ai dit j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Hop, voilà. 2% et pas de PA. Non, on a un petit puits PA là qui est pas fou. Bon, on va essayer d'exploiter ça, mais il y a pas mal de choses à remonter. Ça va être chaud. Alors, ok, là ça passe. Et on a pas mal de crit, hein, c'est cool. Ok, on s'en sort bien là-dessus. Alors, l'intelligence maintenant. On a du succès neutre, c'est pas trop mal. Bon, bah ça va en fait, on va bien se sortir. Il n'y a plus que les dommages et le tacle à remettre. On a moins 10 ici. Et juste moins 10, et bah ouais, c'est plutôt propre en fait. Je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Là, j'ai deux de puits en rab que je vais claquer sur de l'intel. Hop. Et on a donc 9 tentatives pour les raises. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, allez, 3% peut-être. 2%. Et pas de PA. On a ici un puits PA sur un G qui est plutôt pas mal, il va juste falloir faire un tout petit overvita. Overvita de 1 en l'occurrence, donc c'est vraiment pas beaucoup. Si j'arrive à monter de la vie comme ça, ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 18. Et on est parti pour la petite ravie. Qui me prend 22 puits. Bon, ça m'a pas mal défoncé mon puits, mais à part ça, ça devrait aller, il n'y a plus grand chose à remonter. À part bien sûr l'intelligence qui passe plutôt bien. Hop là. Enfin, il me reste 38 de puits, il n'y a que le tac, les esquives PM et on est parti. Ok, moins 4, moins 18, hop, donc 20 de puits. Est-ce que j'ai un truc à faire avec 2 de puits? Absolument pas, c'est pas grave. On va balancer 3, des fois qu'on est les 3 sur 3, ça peut le faire. Non, on a 2, c'est déjà pas mal. On a le PA, est-ce qu'on a une petite invoque? Pas d'invoque. Puis PA qui tombe sur une rune, pas ça. C'est parti. On va monter la Vita. Hop, moins 10. L'intelligence qui va arriver tout pile à 80, ça va être très beau. On a 6. Et un petit critique, ok, moins 26. Et bah on n'est pas trop mal. Ah, il y a la sagesse. J'appréhende toujours un petit peu la sagesse pour remonter à 40, mais non, on a un critique, c'est nickel. Parfois, ça a du mal à passer et ça défonce le puits. Moins 4 ici. Bon, décidément, moins 20. 4 et la petite esquive PM qui nous fait du moins 14. Dommage, on avait beaucoup de puits, on en a perdu beaucoup là sur les dernières runes. C'est possible que j'avais un peu de puits d'avant, je vais balancer 3 runes en mode espérons. Ouais, j'avais échec, d'accord, je me prends un échec carrément. Ouais, bon, j'avais pas de quoi la remettre. Bon, c'est foiré. Puis PA qui arrive après un puits PO que j'avais exploité, donc j'ai une vitalité et une intelligence qui sont assez élevées.
Je vais donc devoir partir en over. Ah, j'ai un de puits de plus que je n'ai pas compté. Hop! 85 dentelles, ça passe. Je vais récupérer l'over sur un dommage feu. Ah bah, c'est le double crit quand j'ai besoin de baisser un over, j'ai l'impression que ça me le fait tout le temps en ce moment. Bon, on va pas se plaindre. Ok. Bah, écoute, ça m'a fait économiser beaucoup de puits, hein, ce petit truc là. Ok, nickel. Et moins 30 pour la vitalité, que je vais baisser avec une esquive PM. Et il m'aurait fallu que ça m'enlève un de plus en moins. Et ok, là on est bon. Là on est bon, bah il n'y a plus que la res et on est parti, je crois. Hein. Moins 12 là-dessus. Ok, là on a une tentative plutôt correcte. Bon, je vais avoir deux de puits qui vont pas être utilisés, mais je pourrais pas en faire grand-chose. Tant pis, on va donc en mettre 7. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, on a un petit crit. Un petit crit. On est sur du 2% toujours. Et pas de PA. On a ici un puits PA, bon, sur un G qui est pas dingue, mais qu'on va peut-être pouvoir exploiter quand même. C'est parti. Alors, hop, 3, 4, 5, 6, moins 18 de puits pour la vitalité. Qui arrive à 347. Ok, critique là-dessus, ça c'est cool. Ensuite, l'intel. Moins 3. 2 Rainé à passer. On a un critique à nouveau. Pas mal. Pas mal, on s'en sort bien là. Alors, le tacle. Moins 4. Ok, moins 9. On a encore du critique sur les dommages. Là, on commence plutôt bien. Hein. Oh, c'est pas mal. On va avoir une belle tentative, je pense. Moins 14. Pour les résistances et tout pile 42, ce qui nous laisse 7 tentatives pour les raises. Allez, 1, 2, un petit troisième pour cent. Non, 2%. Et ça ne passe pas. Hop, le PA qui tombe sur une rune de soins. Donc on a 90 de puits. Le G est pas trop mal dans l'ensemble. Il y a juste besoin de retoucher un petit peu la Vita. On a moins 6, moins 16, moins 26. Hop. Voilà, mais sinon on est bien sur le reste. Hein. Ah, j'aurais aimé avoir un moins 6 sur la Vita, ça m'aurait arrangé. C'est pas grave. Critique sur l'intel, moins 19. On a les soins qui sont en max. Allez, un tacle, moins 8, moins 18. Ouais, bon, il va pas nous rester une tonne de puits non plus, hein. Moins 6, moins 13, hop. Donc 14 de puits, on a 2 en rab que je vais pas pouvoir utiliser. C'est pas grave, on a 2 tentatives, ça va peut-être finir en tentative invoque. Ok, on a effectivement les 2% qui passent, on n'a pas le PA. Le PA qui tombe sur la petite rune païnée, ce qui nous fait une tentative plutôt correcte. Bon, il manque 2 esquives PA, mais on a les 15 soins, ça peut le faire. Alors on commence par un moins 10 sur la vie. Il faudrait que je récupère un truc qui pèse 3 pour enlever l'over. Malheureusement, mon intel est déjà au max. Ça ne m'arrange pas. Que je vais faire, c'est que je vais y aller avec ça. Hop, voilà, 350 piles, c'est parfait. On est parti ensuite sur la Raine qui crit, moins 18 du coup, pas mal du tout. Allez, la petite passa, moins 18, c'est correct. Bon, bah, ça peut peut-être le faire là. Moins 4, moins 5. La rune de résistance qui nous fait du moins 12 et les deux esquives PM, ça peut être un petit peu délicat peut-être. Oh non, ça se passe très bien. Ok. Ah, c'est dommage, il me manque un de puits, j'aurais pu avoir une tentative de plus. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit critique là-dessus par hasard? Non, non. Tant pis, bon, j'ai 3 tentatives. Ok, je vais en tenter une supplémentaire. Bon, ça passe pas. Et tant pis. On a ici une tentative plutôt sympathique, à 94 de puits. Bon, il va falloir over Intel et Vita. Moins 20. Ok, j'ai 6 à récupérer là-dessus. Je vais les reprendre sur la résistance. Hop. Parfait. Ensuite, la vitalité. Hop. Moins 3. Moins 13. C'est correct. C'est plus que correct. Petite rune pour rebaisser l'over, c'est nickel. Ensuite, la sagesse. Allez, hop. Là, j'ai moins 25, hop là. Ensuite le tacle. Moins 16, ouh là 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 là, dommage, on perd beaucoup là. Moins 5 sur le dommage feu et l'esquive PM qui crit, plus que le soin qui passe.
10, ça me laisse 5 depuis. Bon bah si le PA passe, on pourrait tenter une rune distance en critique, mais non, ça ne passe pas. Bon là on a le PA qui vient de tomber avec de la sagesse, mais malheureusement j'ai déjà perdu 18 depuis sur deux passas. Ça annonce rien de bon pour la suite, hein. Franchement. Allez, c'est parti, on va quand même test. Bon, ok, ça crit. On a moins 20. Moins 40 ici. Si la sagesse passe pas, ça va pas le faire, hein, concrètement là. Ouais, bon, moins 9. Moins 9, bon, ça peut peut-être donner quelque chose d'intéressant. Les dommages feu qui passent, ok, ça c'est cool. Et le Tal qui me prend que 4. Ok, c'est correct, ça aurait pu être pire. On a donc 29. 29, et est-ce que c'est possible que j'ai eu un petit peu de puits d'avant? De sagesse, là j'avais 1. Non, a priori, non. Hein. Ah! J'avais 1 depuis. Bon, je vais peut-être en tenter 5, ok. 1, 2, 3, 4, et une cinquième, voilà, qui ne passe pas de toute façon. Pas de PA. Bon, je viens d'avoir un puits PA en remettant un PO, et d'après mes calculs, là je dois avoir 75 de puits. J'ai un petit peu épluché l'historique. 75 de puits sur un G qui est pas trop mal, hein. Franchement, là il y a juste la vitalité et l'intelligence à remonter. On est parti, 1, 2, allez, 3, 4, moins 40, ce qui nous laisse donc 35 de puits. J'aurais aimé en avoir un de plus. Mais là, pour le coup, je ne crois pas. Ah, si, je devais, j'ai peut-être. Non, là j'ai eu 3. Là j'ai dû gagner 2. Non, perdre 2. J'avais donc 1 résist. Bon, allez, je vais tenter 6. Je vais tenter 6. C'est pas impossible que je puisse en mettre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais effectivement de quoi en mettre 6. Ok, on est bon. On a le PA. Est-ce qu'on a la petite invoque qui va avec? Ce serait sympa. Non. Bon, bah, sur la rune suivante, je fais tomber la portée. Et donc, bah, comme le G est encore bien maxé, on va essayer de l'exploiter. Alors, ah, bah, moins 27 sur la sagesse, ça ne laisse pas grand chose pour la suite, hein, malheureusement. Ok, on a un critique là-dessus. Moins 12 sur le tacle. Et on a 8, yes, waouh, on va aller loin avec ça. Nickel. On a 1%, bah, on pourra peut-être faire une tenta invoque pour ça, mais non. Bon, bah, à nouveau, quelques runes plus tard, j'ai le PA qui tombe. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de remonter le G correctement. Je vais tester, hein. Je vais tester de faire les choses au mieux, mais à mon avis, là, ça va pas être brillant, hein. Remonter la vie comme ça. Hop, moins 6. Ok, ça crit, c'est pas mal. Hop, ensuite l'intel. Moins 30, ça picote. La sagesse qui passe, moins 9. Et ouais, j'ai pas mal de trucs à remettre sur les raises et sur les dommages. Allez, hop. Moins 12. Les dommages moins 15, ok, 17. Ouais, c'est très probable que j'en avais d'avant, donc je vais tenter 3 runes. Ok, effectivement, j'en avais une troisième. Et est-ce qu'on a un PA? Non, le PA est tombé sur une rune tacle. On a un G qui est pas mal là, on a un G qui est pas mal du tout. Il va juste falloir faire un petit overvita. Ok, moins 30, on perd du puits là-dessus à nouveau. Hein. Hop. Allez, l'intel, c'est pas trop mal. Moins 18. La sagesse est maxée. Les soins également. Esquive PM, moins 14. Dommage feu, moins 5. Et le tacle, moins 8. Donc moins 13. Hop, on a 18 depuis. Donc exactement 3 tentatives. Et 1, 2 et 3. On a le PA. Bah, à nouveau une tenta invoque. Hein. Hop, non. Bon bah on se retrouve juste après, donc là j'ai remis le PA comme vous le voyez ici, ensuite j'ai voulu mettre l'invoque, ça a tout défoncé, et en voulant remettre le PO j'ai refait tomber le PA, et j'ai 95 depuis d'après mes calculs, alors ça va être un petit peu délicat parce que là il va falloir faire un overvita sur une grosse valeur de vie, ok moins 30, mais ça peut quand même bien se terminer tout ça, on va voir ce que ça nous fait, je vais y aller sur dommage feu je pense, ça crit, d'accord pas mal. Ensuite, la raise. Et bah, décidément, les crits là. Je m'attendais pas franchement à ça. Du coup, il me reste 65 de puits. Là, j'ai deux options. Soit j'essaie de faire un énorme over vita, étant donné que bah, là, j'ai un truc qui est maxé avec la vita qui est déjà en over. Soit je casse l'over vita et je pars sur les raises.
Je vais plutôt faire sur les raids parce que c'était ce que je comptais faire à la base. On va y aller comme ça, ouais. Alors, hop. J'aimerais bien perdre un peu plus que ça. Non. Voilà. Ok. Et donc là. Et merde. J'étais encore trop haut, mais j'avais combien de... Ah non, d'accord, c'est parce que ça va pas tout puiser dans le truc. Putain, ça m'a complètement fait de la merde. C'est pas du tout ce que je voulais. Bref, allez, on a 438 là. J'essaie d'en mettre le PA. Bref, massacre. Énorme fail. Il aurait pas fallu. En fait, il aurait fallu que j'enlève l'agi qu'il y avait en exo avant de casser l'over. Enfin bref, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. En fait, j'ai été con, j'aurais dû partir sur Nova Vita tout simple. Bon, c'est pas grave, c'était intéressant de voir un peu autre chose. C'était merdique là, j'ai géré ça comme une chèvre. Tant pis. Ok, là on a un très joli puits PA. C'est parti. Hop. 3, 2, 3, moins 9 pour la vie. Petite ravie qui me fait du moins 20. Ok, bon, c'est correct. Ah, là j'ai qui crit juste quand tu n'as pas du tout besoin, génial. C'est pas grave. Hop, moins 4. Moins 30 pour l'intel. Allez, c'est parti. Bah, plus que la sagesse, on est bon là. Moins 9. J'ai 26 depuis. Bah, je vais mettre 4 tentatives. Allez, 1, 2, 3, 4. Le PA qui passe. Ah, très intéressant ça. Alors j'avais deux puits restants. Hein. J'avais deux puits restants et là j'ai donc plus 90 de puits, ça doit me faire 18. 90 de vie. Donc plus 18. 18 de puits, plus 100. Plus 100. Oh décidément quand je fais de la merde. Ok hop, plus 6, moins 30 pour l'invoque. J'ai donc 96 de puits là-dessus. Et là... Là, c'est vraiment intéressant pour le coup. Comment je vais remonter ça? J'ai 260, je vais y aller sur de la pas. 2, 3, 4, moins 12, moins 10. Ok, donc là, je suis vraiment très bien là. J'ai 74 de puits. Je vais rebaisser à 348. Et donc là, j'ai deux puits en rab, mais ça ne m'intéresse pas. Je peux faire 12 tentatives, là on a quelque chose de magnifique. Il y a vraiment le puits PA qui retombe juste après l'exploitation du puits PA. C'est ça qui est aussi intéressant avec les invoques, c'est que comme ça pèse que 30, si vous faites tomber le PA, il vous reste beaucoup de puits. Donc pas mal, allez. Là je crois vraiment un joli G. Mais pourquoi ça passe pas putain? Bon. Super le joli G. Bon là, en remettant un pays où je fais tomber le PA, c'est un peu dégueulasse dans l'ensemble, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai 92 de puits. Eh ben on est parti. On est parti. Je vais faire un petit over intel. Hop, moins 6. de puits qui dégagent sur l'intel, c'est nickel, c'est tout ce que j'aime. Hop. Ensuite, la vis. Et ben voilà, puis, parfait, j'adore ce jeu. Je passe un très bon moment. Putain, ça me débrise. Allez, on fait le yo-yo. Sagesse des familles, le petit tacle. Allez, du crit là. Ah, Pipéo. Pipéo, j'ai donc 1 plus 51 moins 4. Ah, mais c'est que c'est presque correct ce qu'on a ici, hein. 48 de puits. Bah, c'est pas mal ça. Ouais, je vais pas y aller comme ça. On va faire 6 x 8. Hop! Allez, petit troisième peut-être. Ah bah voilà, 3%. Allez, le PA. Le PA qui va passer et le PO passera pas à tous les coups. Ah là bah non, d'accord. Puis PM sur un G, pas mal du tout. Là, normalement j'ai 96 de puits, il me semble qu'il m'en restait un d'avant. Va falloir faire un over intel, mais sinon, à part ça, on est assez bien là. Hein. Moins 20, ok, ça passe, c'est cool. Je vais balancer une rune tacle et petite rune agi. Hop là, nickel. L'intel qui... la vitalité qui passe également. Et bah, il n'y a plus que l'esquive PM et on est bon. C'est pas trop mal, moins 14. Et on se retrouve à 52 depuis. Ouais, j'aimerais bien avoir un petit crit.
C'est pas grave, on a 8 tentatives. Ce qui peut être tout à fait correct, bien sûr. Ah! 3%. Comme j'ai eu un critique, j'ai eu une tentative supplémentaire. Et on a à nouveau un très beau. Je crois que des 347, 80, 40, j'en ai eu un paquet à 3% déjà. Bon, je vous avouerai que j'en ai un peu ras le fion de faire ce truc. Et j'aimerais bien qu'il y ait un petit PA qui passe, putain, mais c'est pas vrai! On a ici un très très joli PA que j'espère que je vais pouvoir exploiter correctement. C'est parti, allez, l'intel, moins 6. La vie, 2, 3, oh putain, je perds beaucoup de puits. 50 là-dessus, j'ai les boules, hein, c'était bien parti. Moins 9 pour la sagesse, bah, il me reste 31 de puits, ce sera donc 5 tentatives seulement. Bah allez, allez, 1, 2. 2%. On a ici un joli petit puits PA, les stats sont tout à fait corrects. Enfin, disons que ça va, voilà, je peux le remonter très facilement. Là, j'ai moins 9 et je vais tout de suite tomber sur une bonne valeur pour la vitalité. Moins 10 ici, pour l'intel pareil. Oh, ça crit bien en plus, c'est chouette. Moins 10. Et bah là, il reste que pratiquement rien à remonter. On a du moins 6 et. Ok, moins 16. C'est pas mal du tout là. 61 de puits restant, bah ça me fait 10 tentatives, je peux rien faire du petit puits que j'ai en rab. Hop, allez, 1% déjà, 2%. Ok, ce sera donc du 2%. Est-ce qu'on a un PA là-dessus? On n'a pas de PA. On a un petit puits PA sur une rune de soins, et ça nous a fait tomber l'intelligence que je vais devoir over tout de suite. Allez, hop, moins 10, ça passe. Je vais récupérer l'over sur la vitalité. Et partir sur la ravie. Ok, ça passe également. Moins 13 ici. On est pas mal du tout là. On est pas mal du tout. Hop, moins 7 pour l'esquive PM. Moins 4 pour le tacle. Moins 15 pour les deux feux. Et plus que les résistances. R qui crit. On est à 52 puits, donc j'ai 2 de puits en rab. Bah j'en ferai rien, donc c'est pas grave. Hop, allez, hop, c'est parti. 8 petites runes là, res feu. 1%, ce sera juste 1%. Hop, UPA sur un G correct là, on est parti. Je continue hein, à persévérer sur mon idée d'avoir les 80 d'intel. C'est pour ça qu'à chaque fois je prends la peine d'over et ensuite de leur baisser, mais c'est vrai que c'est coûteux sur le puits. Et c'est déjà un FM qui est pas facile, mais j'ai vraiment envie d'avoir un beau truc, donc je me donne cette peine. Et tant pis si c'est un peu plus long. De toute façon, là, je suis plus à quelques centaines de P après, hein, concrètement. Alors, on a moins 20 ici pour la vitalité. Ensuite, le tacle. Ok, moins 8, ça passe plutôt pas mal. Et plus qu'un de feu qui passe. Ça me fait donc 38 de puits. J'ai à nouveau 2 de puits en rab là, mais je peux pas en faire grand-chose. Donc, on a 6 tentatives sur les résistances. Ok, on a déjà 1%. Et ça sera un seul pour cent. Pas de PA. 8 PA là sur un G qui est pas ouf, pas fou, hein, vraiment pas fou. Comment je vais faire ça moi? Comment je vais faire ça? On va y aller avec de la pavie comme ça. Hop. On a donc un moins 3 par ici. Oh, ça crit bien, c'est pas mal. Ok, on s'en tire bien là-dessus. Hop, j'aurais aimé un moins 6, bon c'est pas grave. Ensuite, moins 1 pour le petit intel qui passe. Là, il va falloir over. Ça passe également. Chouette. Ok, on va avoir un jet sympathique. Je vais y aller comme ceci. Hop. Moins 3. Moins 8. On va mettre le soin. Moins 20. Rune qui ne passe pas. Ok, moins 12 pour la résistance. Ah, il ne reste pas des tonnes de puits, hein. Moins 5 ici. 25 de puits. Bon, moi j'ai de quoi faire 4 tentatives. 1, 2, 3, 4. Ok, 2%. On aura peut-être une tentative invoque. Non, on a ici un puits PA qui est. Bon, c'est le jet n'est pas dingue. Il est tombé sur une rune pas innée. Et on est parti. Donc moins 6 déjà. Hop. Je vais claquer directement l'over intel. Oh, on a un critique, ça fait plaisir. Hop. Ensuite, il va me falloir un gros over vita, ça va être assez compliqué, peut-être à passer. Ah ouais, moins 50 depuis, je m'y attendais. Hein. Mais là, avec une vita de merde comme ça, j'avais pas d'autre solution. Comment je vais baisser ça, moi?
Moi je vais baisser ça, putain j'ai un sacré over là. Je vais mettre une rune comme ça. Hop! Nickel. Nickel, nickel. Ensuite, moins 10. Et moins 4 ici, et on est bon. Qui me laisse pile poil 3 tentatives. Alors, je peux avoir un 3% dessus techniquement. Et non, ça ne sera un 1%. Et toujours pas de PA. Ok, j'ai ici un magnifique puits PA qui vient d'arriver. Alors malheureusement, l'intelligence est un tout petit peu trop basse. Je vais donc devoir partir en over intel et en over vital. Le over intel peut être assez compliqué, mais bon, je vais faire au mieux. Et à part ça, bah, tout est bon. Le reste, là, je venais d'avoir un puits PO qui s'était bien passé. 4... Ouais, moins 40 là-dessus. J'ai pas fait gaffe. Ouais, j'avais 90, moins 40, j'ai 50 depuis. Qu'est-ce que je fais, moi? Faudrait une rune qui pèse 7 pour dégager l'over là. J'avais pas ça en stock. Pas retrait PM, on va peut-être pas balancer un truc aussi gros. C'est mal rangé tout ça. 8, non, ça m'intéresse pas. Bon. Je dois avoir un retrait quelque chose qui traîne. Ok, retrait PM, c'est nickel. Retrait PA, ça marche aussi. Hop, parfait. Alors maintenant, la vitalité, deuxième point délicat. Ok, ça passe. Bon, ça me laisse 40 depuis. C'est dommage, ça aurait pu être un petit peu plus que ça. Et je récupère un depuis là-dessus. Malheureusement, il me faudrait... Ouais, il m'aurait fallu un tout petit... Un depuis en plus, en fait, et j'aurais gagné une tenta, quoi. Bon, c'est pas grave. J'aurais donc 6 tentatives. Si j'avais eu moins 5 et moins 5, ça aurait pu le faire, mais là... là, c'est plus compliqué. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Yes, la sixième qui passe. Bon, là, il me manque vraiment un depuis pour avoir un quatrième pourcent, mais enfin, une tentative de plus du moins. Mais voilà, comme j'ai eu un moins 6 et pas un moins 5 sur la Vita, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, est-ce que c'est sur ce magnifique jet parfait 350, 80, 40 que le PA va repasser sur un 3%? Ça me ferait du bien pour le moral. Ça me ferait du bien. Allez, je dis rien de plus. Yes! Oh! Oh oui! Oh, ce soulagement, si vous saviez. Si vous saviez. Fragile. Bon, la vidéo, du coup, je l'ai tournée sur presque une semaine. Vous avez peut-être vu sur les éclairages, sur comment je suis habillé, etc., que ça a été fait en pas mal de séquences. Et le nombre de PA que j'ai claqué sur cette merde, de tentatives PA, de runes, je crois que j'ai dû lâcher peut-être, je sais pas, 60 millions de kama dessus en runes. Enfin, sachez que ce que je vous mets dans la vidéo, c'est pas tout, hein, j'ai sélectionné un peu les tentas sympas. Mais enfin, franchement, l'item n'est pas dur à FM en soi, il n'y a pas de difficulté particulière, mais le PA repasse jamais, quoi. Franchement, là, après j'ai eu de la poisse, hein, des fois, il y en a d'autres, ils vont faire ça, premier puits PA, ils vont sortir à 3%, ça va repasser, ils n'en parlent plus, quoi, mais... Bon. Bon, bah, je suis quand même... Là, on est quand même sur du G parfait exo 3% res, sur un item qui est extrêmement utile en PvP, enfin, voilà, franchement, ça en valait la peine. Ça valait la peine de persévérer, d'aller systématiquement chercher les 80 d'intelligence. Et puis, bon, bah, un petit mot pour ceux voilà, qui voient ceux qui cherchent l'optimisation comme des mecs qui réfléchissent pas, qui sont dans la facilité, toujours tout péter. Voyez le travail qu'il peut y avoir derrière pour avoir des gros jets, pour avoir des gros stuff avec du 45% de reste partout. Des fois, voilà, il peut y avoir un nombre de tentatives énormes sur un FM, il peut y avoir vraiment de l'acharnement. Là, vous voyez, sur la FM, j'ai pas spécialement de chance, mais c'est la persévérance qui paye hein, tout le temps, c'est la patience, la persévérance, il faut avoir un mental solide, ne pas se démonter. Et bah voilà, ça finit toujours par payer, hein. Le travail paye, c'est comme dans tout, hein. Ça marche comme ça dans Defus, ça marche comme ça dans la vie. C'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Bon, bah je suis sacrément content quand même pour ce G. Franchement, là, le G parfait 3%, ça me console un petit peu par rapport à toute la difficulté que j'ai eu sur cette cape. Bon bah voilà, je vais vous laisser ici, j'imagine que du coup la vidéo va être sacrément longue, en fait ça fait une semaine que je me dis, dès que le PA passe, je fais la vidéo et tout, c'est tranquille, alors là du coup je sais pas elle va durer combien de temps, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi j'attends vos retours avec impatience, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, à bientôt.